Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau direct sur OmniWalk. Merci d'être venu en cette soirée très tardive. On espère que ça va vous plaire, on va faire un direct vraiment détente. On était de bonne humeur. C'est une improvisation de Nounou, elle m'a forcé à faire ce direct. Oui, j'avoue. Je suis en quelque sorte pris en otage. Et en plus, elle m'a forcé à faire du puzzle game. Donc tous ceux qui ne souhaitent pas voir de puzzle game dans ce direct, faites autre chose. Vous avez mieux à faire dans votre soirée. Vous pouvez jouer à d'autres jeux. Alors ça, c'est vraiment une bonne promotion. Exactement. Ça, c'est bien, ça. Par contre, ceux qui veulent du puzzle game, ceux qui veulent voir à quoi ressemble Panel de Pont, nous allons tout simplement vous essayer de vous faire une belle démonstration de ce jeu. Surtout ceux qui veulent rire, en fait. Un petit peu, parce qu'effectivement, on est un petit peu en forme. Panel de Pont, c'est un jeu japonais, un jeu de puzzle game, et rien d'incroyable, mais vous allez voir qu'avec un petit peu de pratique et du skill, on arrive à faire des choses assez belles sur le jeu. Alors vous avez des très beaux championnats. Alors juste deux petites secondes, je tenais à dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de direct. Effectivement, c'est vrai. Et comme d'habitude, je vais essayer de gérer le chat en même temps, mais il faut savoir que je joue en même temps. Donc voilà, donc ça va pas être... Ce sera un bel handicap. Voilà. Et ce sera un avantage pour moi pour défoncer la reine du puzzle game. Donc nous pouvons y arriver un petit peu, ce sera un direct qui sera pas très long, ça va pas durer toute la soirée, on va pas rester jusqu'à 2h du matin, on doit dormir. Peut-être qu'on restera jusqu'à 2h. On doit dormir. Peut-être qu'on pourrait faire une partie jusqu'à 4h. Moi déjà, normalement, à la base, ce soir, j'étais censé m'entraîner sur God of War. Je tiens à le dire, c'est de sa faute. Moi je suis censé m'entraîner pour Mewalk, j'ai du travail, mesdames et messieurs. Mais non, voilà, je suis obligé de venir ici avec vous et de faire du puzzle game. Donc on va lancer le jeu. Vous allez pouvoir voir, regardez, je vous ai fait un... On voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct. Regardez-moi cette magnifique image de la jaquette japonaise de Panel de Pont. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de l'essayer? Un petit peu quand même. Donc on va lancer tout de suite ce magnifique jeu. Alors on va s'échauffer un petit peu avant. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'échauffer exactement? S'échauffer, bah, ça veut dire que en fait on va s'échauffer à faire des combos quoi. Normalement, tout devrait bien se passer. Alors vous avez vu un petit peu l'écran d'attente, hein, c'est tout simplement avec des sortes de panneaux de formes différentes, de couleurs différentes. Si vous voyez différentes. Qu'il y a des problèmes, n'hésitez pas à nous dire, on va essayer de gérer ça au mieux. L'objectif, ça va être que... Voilà. C'est cool, nous aussi on n'y connaît rien à ce jeu. c'est pas vrai. Elle ment. Alors déjà... Alors, d'ailleurs, je tiens à préciser que... Je suis désolée, mais j'ai toujours pas posté mon watch qui est déconverti, mais je l'ai oublié. Mais est-ce que les gens sont vraiment intéressés? Regarde, la moitié des gens qui nous regardent ne savent même pas ce que c'est Panel de Pont. Et bah, c'est justement pour ça que j'aurais dû poster mon watch. Est-ce que c'est vraiment très important? Ça va être une bonne introduction. Ensuite, mets-toi, hein, et on y va. Alors là, vous voyez qu'on est, nous sommes en train de sélectionner notre niveau de difficulté. Donc déjà, on sent la noob attitude. En fait, on met easy parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ça augmente en fait. Donc du coup, on se dit, on part de 1, on va aller jusqu'à 10. Est-ce que ça te dérangerait pas d'expliquer quand même les règles au personnage? Enfin, au personnage. Qui nous regarde. Alors en fait déjà... Attends, mais on va lancer le jeu. Déjà vous voyez qu'il y a un beau panel de personnages. Composé uniquement de personnages féminins. Si ça déjà... Non, il y a des mecs dragons là, c'est un dragon, c'est pas une fille. Hein. Ouais, vas-y, sélectionne. Vas-y, fais la gâchette. Ouais, alors il y a moyen de débloquer les deux personnages secrets. Voilà. Oh oui, il y a un homme. Oh pardon, excusez-moi. Quand derrière c'est un trans. Excusez-moi. Donc vous sélectionnez votre personnage, voilà. Ça ne change strictement donc, rien. Moi je suis le bleu et lui il est le rose. Donc moi je suis à gauche et Goto est à droite. Donc je suis le dragon en fait. Voilà. Je suis la personne qui gagne tout le temps. L'inverse de ce que vous voyez sur le direct, donc, c'est quand fait, même assez subtil. Vous avez un petit curseur comme ça, donc vous augmentez votre stage. Et en fait vous êtes contre l'autre, donc logique. Et en fait, vous devez essayer de faire des combos un maximum. Donc en fait, là ça descend. Enfin, j'ai du mal à expliquer en même temps de jouer. En fait, c'est un peu compliqué. Mais concentre-toi, t'as tout ton temps. Déjà, la première chose qu'il faut dire aux gens quand tu présentes ce genre de jeu, c'est que un très bon jeu. C'est que tout d'abord, déjà, il faut que tu dises que c'est un petit peu comme Bust a Move. Il faut que Bust a Move. Tu vas perdre là. C'est que. Oui, alors, pardon. C'est qu'il faut en fait tout simplement regarder assembler les couleurs par 3. Donc là ah, par exemple, je pensais que t'étais mort, mais... vous assemblez par exemple les cœurs, etc. ensemble et vous avez moyen comme ça de faire des tonnes et des tonnes et des tonnes jusqu'à de jusqu'à x15, ce que j'ai fait il y a quelques jours, ce que Goto a fait il y a quelques heures. Donc l'objectif, voilà, ça va être de faire un maximum de combos, etc. Et vous voyez que là par exemple. Et c'est rigolo. Nous m'a carrément défoncé, donc elle m'a envoyé, elle me remplit mon stage en envoyant des trucs. C'est le même principe qu'un Puyo Pop, qu'un Bust a Move. Qu'un mais Tetris. C'est pas pareil qu'un Tetris. Non. On en voit quand même des choses à l'autre. Bon, c'est un puzzle game. C'est un puzzle game, voilà. Dans les règles classiques de l'art. On se fait une partie pour vous montrer un peu notre niveau en étant pas chaud, quoi. Bon, sachant que qu'on en a fait presque toute la journée. Ouais. Non, mais dis pas ça. On est sorti, on a acheté quelques jeux aussi. Voilà, ne dis pas aux gens que nous par sommes. Par contre, tu me gênes pas, s'il te plaît. Nous sommes enfermés, c'est pas vrai. Donc, effectivement, voilà, c'est un système de combo aussi simple que cela.
Donc malheureusement, c'est vrai que moi je n'ai pas énormément de skill en puzzle game. C'est Nounou qui... En fait, ça fait tellement longtemps qu'on s'entraîne sur ce jeu. C'est un peu Nounou qui m'a tout appris. C'est un peu ma master sur ce jeu, effectivement. Bien sûr, c'est pas moi qui t'ai appris à perdre, excuse-moi. Mais... Oh d'accord, ok. Donc c'est effectivement un direct où je vais prendre un petit peu cher, vous allez sûrement pouvoir le constater. Ah, c'est le stress ça. Allez, ouais, non mais là c'est vrai que je suis pas habitué à jouer à ça en direct, c'est clair. Hein. Voyez un petit peu une partie basique, qu'est-ce que ça peut donner. Alors Nounou a dit qu'elle allait gérer le chat en même temps que jouer. Je vois pas beaucoup comment tu gères le chat en ce moment. Eh bah je réponds, hein, d'accord. Ça se voit carrément. Ouais, bah, si tu fais le malin, c'est toi qui vas le faire. Moi j'aime bien. J'augmente mon stage, bim. Alors ouais, effectivement, vous avez moyen de monter votre stage pour faire encore plus de combos. Enfin voilà, il y a des tonnes de possibilités. Ah non. Ce qui est assez drôle quand Nounou joue à ça, c'est qu'elle est carrément... Elle est complètement folle en fait. Oh ouais, mais toi aussi, mais sauf que là, tu vas te retenir. Oh genre. Bon, moi je suis ce genre de mec à me retenir, quoi, effectivement. Sérieux? Ah, oh. Oh, c'était incontrôlé ça. Voilà, je suis mort. En 1 minute 23, elle m'a battu. Oui, voilà, c'est Bibitrans a des amis portugais qui s'envoient des briques dans la figure. Après, c'est effectivement exactement la même chose que vous pouvez voir, je fais retour parce que je voulais montrer un truc, d'accord. Donc, en fait, j'ai une étoile, on sait bien que j'ai gagné. Voilà. Elle est très forte. En termes d'explication, vous voyez, c'est au moins c'est clair, on comprend directement les règles. On a changé de personnage quand même. Non mais à ce rythme-là, ça ne va pas durer très longtemps. On a déjà à peu près fait le tour du gameplay. Sachant que pour débloquer les personnages secrets, on donne des astuces, on va en profiter. On donne des cheat codes avec nous. Il suffit de faire LR sur les deux contrôleurs, c'est quand même super technique. Je rajoute quand même que c'est sur ce jeu-là que je suis censé faire un speedrun. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, je m'entraîne et je suis jamais satisfaite, donc voilà. Ah, le speedrun, une belle performance, effectivement. Performance. Vous voyez à quel point elle arrête pas de me troller, c'est incroyable. Et pendant ce jeu-là, c'est... Tu me tentes, hein, quand même. Ouais, j'avoue, je tente de belles perches, effectivement, c'est... De belles perches. Non, je tente... Non, mais genre, le gars, il enlève ses mains du clavier, tranquille, quoi. Ouais, ça va, c'est bon. J'essaye de faire de mon mieux pour donner un minimum de skill dans le... Bah, la pauvre... Tu es en train de lire le chat en même temps, hein, je tiens à préciser. Nous se vantent des mérites de son skill incroyable. Oh là là, c'est un problème, tu vas... Sincèrement, je suis extrêmement mauvais ce soir. Bien sûr. Je pense que c'est à cause de Nounou et ses vannes foireuses, donc n'hésitez pas. Non mais là je vais crever, d'accord. À lui dire d'arrêter. Alors vous voyez qu'il y a du temps, et plus le temps passe, plus le stage... Plus ça va vite, plus c'est rigolo. C'est vrai que c'est un jeu qui de prime abord, moi, ne m'attirait pas plus que ça. Ah ouais, en fait c'est un jeu qui est... En fait au début j'arrivais pas à jouer à ce jeu là, parce que c'est vraiment dur à prendre en main. Mais une fois que c'est pris en main, en fait, et bah, c'est rigolo. Non mais c'est vrai, mais c'est incroyable. En fait, il faut savoir aussi un autre truc, c'est quand on joue à deux et quand on joue contre un boss, c'est pas du tout les mêmes techniques. Et moi en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que vers minuit, Nounou, au niveau explication, elle a absolument un vocabulaire qui est incroyable. Non mais si ça te plaît pas, tu me viens. Non mais c'est génial. J'ai perdu. C'est génial parce qu'on est en plein direct et t'arrives quand même à dire ce jeu rigolo. Voilà, c'est quand même assez rigolo, c'est Puzzle Game, c'est rigolo. Jouer à ce jeu parce qu'il est rigolo. J'adore l'histoire. Ah, l'histoire est en japonais, donc effectivement, pour comprendre ce qui se passe, c'est assez compliqué. Ouais, j'aime. Un jour, peut-être, on fera une trad... La traduction de... Avec des doublages. Avec des doublages VF. Pas L de points avec des doublages VF. Proposé par Omni. Là, moi, je commence à me réveiller légèrement. Moi, pas du tout, je m'endors. Commence à faire quelques combos fortement sympathiques. J'arrête pas de perdre en plus. Mais ça, c'est parce que t'es trop concentré sur le chat, tu vois. C'est vraiment un handicap assez impressionnant. Quoi. J'ai du bol. Oh non. Éventuellement vous avez une idée de jeu ce soir et que vous voulez changer pour autre chose que du panel de pont, n'hésitez pas. Voilà, moi je suis effectivement... Si, hésitez. Moi franchement je suis assez preneur personnellement. Non mais je suis trop dégoûté là. Nous j'adore quand tu rages. Sur ce jeu-là vraiment c'est quelque chose de... Mais je vais crever là. Ah oui, il faut savoir aussi que quand les blocs sont arrivés en bas et que vous avez plus rien, vous pouvez plus commenter vos stages et du coup vous mourrez. Voilà.
D'où l'objectif de... Comme là, par exemple. D'envoyer un maximum de choses. Sauf si je fais un combo, et sauf si j'ai des blocs. C'est rigolo. Sauf si je débloque. Oh mon dieu. Dédicace à Marvin pour cette blague de merde. Effectivement, c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous, encore une fois. Ouais. On aurait pu lui faire... Il fait dodo à cette heure-là. On aurait pu lui faire tester ce magnifique puzzle game qui lui aurait sûrement plu. Je pense pas, non. Sûrement plu. Moi, Marvin, je pense... Tant qu'il n'y a pas de sens, ça ne l'intéresse pas. Je pense que Marvin est un grand fan de puzzle game, dans le fond. Dans le fond. Très, très au fond, alors. On sait jamais. Synergie Goto. Synergie Goto. Je ne vois absolument pas le rapport avec tout ça. C'est Jajan. Ah, c'est... Ah oui, mais d'accord, ok, ouais. Ah oui, d'accord, ça change tout. On propose du synergie, ok. J'avais pas... Effectivement, je n'avais pas compris. Ouais, ça, c'est parce qu'il est tard, c'est ça. Ah oui, mais là, effectivement, là, si on commence à faire du synergie, ça va être un gros bordel. Mais genre, c'est parce qu'on l'a pas aussi, non? Si, si, on l'a en plus, c'est ça le pire. C'est ça le pire, c'est ça le pire. Non, mais ils savent pas. Non, le pire, quoi. Le pire. Le pire du pire. Le pire, tu transpires. Vous avez rien entendu? Voilà, on va éviter de relever. X3. On va éviter de relever ce genre de blague. Moi je fais quand même un petit x8, voilà, je tiens à le dire, il y a quand même eu un minimum de skill dans ce direct, il y a eu un x8. Un petit x5, pour moi, hein, pour ma part, qui va s'arrêter là d'ailleurs, parce que je n'ai rien d'autre. On aura quand même réussi à faire quelque chose sur panel de pont sur la chaîne, quoi. Un jeu assez méconnu en France. Faut savoir qu'il y a déjà une vidéo postée sur Facebook, les gens vont croire qu'on est accro à ce jeu, quoi. Mais c'est un petit peu ça, en fait. Ah ouais. Je pense que c'est un petit peu ça. J'ai renchaîné avec un truc. On vous propose une panel de pont vraiment parce que c'est un jeu qu'on adore et que malheureusement on a beaucoup de mal à se détacher de ce jeu. Oui, voilà, un jour peut-être on fera une cure des désintox. Du coup, on essaye de s'en détacher en vous proposant du contenu. Alors, on joue pas à la manette, enfin, moi je joue à la manette et Goto joue au clavier parce que c'est un noob. Merci pour cette explication. Extrêmement intéressant. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais, c'est surtout c'est très 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 magnanime, j'adore. Genre t'essayes de dire eh, tu vas perdre. Tu non vas non perdre. Mais non mais je voulais voir ce que les gens écrivaient effectivement. Oui, elle joue à la manette. Oh elle joue à un jeu Super Nintendo avec une manette de PS4. Super Nintendo. Non de. Oui de PS4 hein, parce que une manette de Super Nintendo. Oh je fais des combos sans regarder, je fais des combos sans regarder. Tu regardes pas, c'est incroyable quoi. Ah ouais franchement, il y a du ski. Je t'ai fait un x6. Et je vais crever. J'ai mort. Regardez là, j'ai plus rien en fait et du coup je vais mourir. Mais si, non, t'as rien. Ouais, effectivement, mais c'est bien, non. Et voilà. Alors, pour rappeler qui est où. Moi, je suis bleu. Voilà. Et lui, il est rouge. En gros, là, je viens de perdre. Mais non, c'est l'inverse. Regarde, regarde. Moi, je suis à droite et toi, t'es à gauche. Ah oui, c'est inversé. Là, voilà, voilà. Ouais. Je suis à gauche. Tu dis n'importe quoi, quoi. Même tu fais de la pente. Tout ça parce que moi, j'ai gagné. Fais la pente côte. Tout ça parce que moi, j'ai gagné. Vas-y, mets le niveau au maximum. Bon, non, alors, non, non, ce que non, c'est non, 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 tu rigoles. Non, mais vous rendez compte, les noobs, on fait un direct sur panel de et on se met niveau 1. Mais on n'est pas chaud là. Mais même si on était chaud au niveau 10, ce serait n'importe quoi. Au niveau 10, il faut savoir qu'on a une couleur en plus. Et que là, c'est vrai que ça devient et un méchant bordel. Non, mais non, pas à deux joueurs. Ah, si, on a déjà essayé, crois-moi, c'est la vérité. Ah ouais. Alors, notre record sur ce jeu, tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Oui, ce n'est qu'un record de temps. Ouais. Un record de temps, oui, parce qu'on peut pas faire d'autres records de toute façon. Il faut le dire. Le petit record de temps, c'est 8 minutes, il me semble, un truc comme ça. 8 minutes 19, je crois. Oh là là, mais quelle précision. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais. J'ai perdu. Voilà. Qui est le plus mauvaise foi? Mais c'est... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on joue à ça, c'est souvent le moment où on en profite pour se lancer des pics, s'insulter, voilà, c'est... Genre des fois, genre on sait pas qui veut faire la vaisselle, on se prend le chou et tout. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. On fait un panel. Ça, c'est ce genre de choses, c'est vraiment des conneries. Ne l'écoutez surtout pas, tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Oh, le 4 blocs. Moi, je suis en train de te faire un petit x5, là, bien préparé. Mais moi, j'arrive pas, là, je suis pas dedans. Ah ouais, c'est très, très, très. Je me concentre un petit peu, ce serait... Voilà, le petit x6. Le petit x6 qui fait plaisir. Et je vais mourir. Alors moi, ma technique personnelle... C'est de mourir à chaque fois qu'il a peur. Voilà. Il a peur de perdre, du coup, il se dit « Putain, je me suis suicidé !» D'ailleurs, ça fait longtemps que... Et je veux dire que c'est pas de ma faute. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu nous as pas fait un petit... C'est rigolo, hein. Un petit quoi? Bah, c'est justement ça que tu dis à chaque fois. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est ton expression. Oh, là, j'ai eu l'album x5.
Ah non, putain, je suis trop deg. T'es incroyable. Je sais. Sur ce jeu, c'est absolument incroyable. Ah, je garde. Et voilà le travail. Alors, ce qui est assez pratique, en fait, je trouve, c'est vraiment quand les gens vous envoient des blocs, bah, ça des me enfin, quand Nounou m'envoie des blocs. Parce qu'en fait, tu joues avec personne d'autre à part moi. Hein, ce serait bien un panel de points en ligne, il faut le dire, il faut essayer de relancer cette malédiction. Je vous conseille d'aller voir des speedruns parce que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais les speedruns sur God of War sont encore plus impressionnants, il faut le dire ça aussi. Oh là là. Je fais de la pub pour mon walk, aucun problème. Ouais, parce que t'as fait un speedrun toi. Non. Putain, ouais. Ça me saoule là. Vous sentez un petit peu la rage aussi. Hein, c'est rage pas du tout, ok. C'est super impressionnant. C'est absolument génial. Si tu dis que tu rages, t'as pas... Bon, le premier à 5, et après on change de jeu. Ah ouais, bah, x8 ça va. Hein. Ouais, ça va. Ouais, les comptabilisez pas, parce que ça va devenir une championne. À côté de moi, je suis... Je vais vous faire un x14. T'as dit quoi? Ah non. Non, mais moi, pendant ce genre de truc, je m'en prends plein à la tronche à chaque fois. C'est assez hallucinant. Et voilà, et là, je vais mourir. Wow. Moi, c'est souvent au début que je meurs, en fait. C'est assez impressionnant. Des fois, ouais, en fait, il monte trop son stage, du coup, bah voilà. Et après, il dit non, mais c'est parce que j'ai trop monté mon stage. Oh là là, oh le x5, oh le x6. Oh là là, oh c'est beau. Non, mais il y avait un minimum de skill quand même dans ce combo. Il faut le dire, il y avait un minimum. Oh là là. Mais ma manette, elle bug. Et voilà, ça c'est le genre de choses que j'entends à chaque fois, vous rendez compte. Mais là c'est vrai, là c'est vrai. Ouais, je fais un direct juste pour vous montrer ça, parce que non, vraiment... Non, je fais un direct, c'est moi qui t'ai obligé à faire un direct. Oublie pas ça. Ouais, c'est vrai que tu m'as obligé. Je tiens à le dire, elle m'a obligé. Non mais au moins vous vous rendez compte Au moins vous serez content aussi. Du phénomène incroyable que c'est quand elle joue à ce jeu, c'est assez impressionnant. Oh la vache, t'es fait un fois ça. Et encore, vous l'avez pas vu sur Dr Mario. Ah oui, là je suis une merde, là par contre. C'est encore pire que ça. 3-7. x8. Bon bah ça s'arrêtera là évidemment. x7, voilà. J'ai mon stage plein, ça va être le gros bordel. J'ai plus rien. J'augmente mon stage. Ouais. Je fais la fifouf. Ouais, je fais la fifouf. C'est bien. Oh là, je prépare un bon truc. Ouais, là. Ouais, voilà, je suis bon. Oh putain, j'allais me décomboser. Eh mais t'es censé être la reine du puzzle game, il y a 2-1. Il va falloir préveiller là. Non mais je t'ai dit, je suis pas. Les gens qu'on se tape en direct que tu perds. Que tu perds face à moi le noob. C'est quand même un petit peu la honte. Bah si, c'est dur pour moi que Goto passe tout le temps à God of War. Voilà, il veut jamais jouer avec moi en plus. Voilà, je vous dis. Comment ça, je pense qu'à God of War? Je pense pas qu'à God of War. Mais si. À vrai dire. Il m'en parle tout le temps et tout. Une torture avec ce jeu, j'en peux plus, moi. Soyons sincères, en ce moment, je suis plus sur Alundra. Donc je ne parle pas que de God of War. Donc, il parle que d'Alundra. C'est un petit peu vrai, il faut le dire quand même. C'est un Wall qui me prend beaucoup d'énergie. Ah là, tu t'enfonces tout seul. C'est incroyable. C'est toi qui t'enfonce là, avec tes combos là. Oh, là. Allez, un petit fois. Oh non, j'ai foiré. C'est genre mon truc qui se TP tout seul. C'est moi qui monte mon stage maintenant. Ah ouais. Alors oui, des fois je fais des méga fails aussi, je monte trop mon stage et je meurs. Oui, c'est ce que j'ai dit avant en fait. Ah d'accord. Oh pardon mademoiselle. Excusez-moi. Non mais faut suivre un peu, hein. Y a pas que moi qui en direct ici. Oh la vache. D'accord, je vois. Oh putain, je t'ai fait un petit x6 là, fortement sympathique. C'était cool. Oh là là. Ouais. Non mais je l'ai pas en fait, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas le problème. Oh putain, là, il y a des... Oh merde. Il y a des combos qui partent de partout, moi je ne... Alors, interdit au moins de 10 ans pour les gros mots, excusez-moi. Ah, Peggy 16. Peggy 16 au moins. Peggy 17 et demi. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour parler de l'E3? Qu'on ne regarde pas. Non, je retiendrai pas. Oh putain, non, mais j'ai... Eh, mais en fait, je fais n'importe quoi. Vous avez pu voir qu'il y a eu un Billion Golden Evil 2 d'annoncé. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Lançons les débats sur Billion Golden Evil 2. Moi qui voulais pas parler de l'E3. Allez, avoue, t'as fait un direct juste parce que tu voulais absolument parler. Oui, en fait, je voulais savoir s'il y avait un Tetris Attack d'annoncé. Un Tetris? Vu qu'il m'empêche de regarder, donc du coup... Genre, moi, je t'empêche de regarder l'E3. Oui, mais oui.
C'est absolument incroyable. En fait, c'est un réglage de compte, ce direct. On a fait ça juste parce qu'on avait vraiment besoin de savoir qui était le meilleur sur Palette de Peau. Et surtout, qui parle le plus de ses... Enfin, en l'occurrence, celle qui parle le plus de ses walks, c'est toi, parce que c'est toi qui as voulu faire un direct sur Palette de Peau. Mais c'est pas mon walk, là. C'est plus mon walk, je l'ai fini. Ouais, mais tu l'as pas encore posté. Non, et alors? C'est ça le problème. Donc ce n'est pas encore mon walk. Et voilà, je suis mort, et voilà. Panel de pont 2 à 3, ouais. Qui va annoncer ça? Nintendo. Nintendo qui n'est pas Valve. Nintendo. D'ailleurs, ce serait un très bon walk, ça. Bah voilà, bah, la finale sera sur le 3-3. Oui, je crois pas. je crois pas. Je fais crois. Oh mon dieu. On va jamais s'en sortir. Et voilà. Ça c'est ce qui arrive tout le temps. Son record, c'est une seconde. Voilà, faites bien attention, vous pouvez regarder la rediffusion de ce direct, je monte trop mon stage, je meurs. Parce que mon objectif, c'est de le monter vraiment à la limite, Et ensuite, de faire un maximum de combos et de vider mon stage. Alors que Nounou, regardez un petit peu, elle joue un petit peu plus safe, elle laisse deux carrés de... Et ensuite, elle fait des combos, là, en haut, voilà, 4 blocs. Mais tu crois que tu vas faire quoi avec ça, un petit 4 blocs comme ça? Regardez, le gars, il est en train de vous parler. Regardez ce que ça m'envoie un 4 blocs, c'est bidon. Ouais, il faut faire du gros combo. Regardez, moi je vous montre ce que ça envoie si on fait des vrais combos de ouf. Là, si on y arrive quoi. On va faire un petit x4 juste pour faire une petite expérience et voir un genre un petit x4, mais c'est voilà. Rien. Un petit x4, voilà, ça envoie déjà tout ça. Et là, il n'y a pas qu'un x4 d'abord. Déjà, c'est très. Attendez, je vais crever. Oh, j'arrête de parler. Oui, mais non, mais j'étais en train de montrer aux gens ce que ça faisait un x4. J'ai gagné quand même. Hein. Ça ne compte pas, on avait dit une partie à 5. Non, on n'avait pas dit une partie à 5, hein. On n'avait rien dit du tout en fait. Allez. Je vais essayer de me ressaisir. Ouais, saisis-toi parce que là, c'est. Bon, vous pouvez lancer les paris toutefois quand même sur qui va avoir ses 5 points finalement. Pourquoi 5? Et pourquoi pas 24? Oh là là, et nous, il faut savoir que ça fait un an qu'elle me tanne pour faire une partie à 24. Vous vous rendez compte? On est qu'à 3 points et elle veut faire des parties à 24. C'est extrêmement long et épuisant de supporter. Parce que 24, c'est mon chiffre préféré. Le chiffre trop random, quoi. 24 et demi, 3 quarts. Ah d'accord, ok. J'arrondis parce que sinon après c'est trop long quand je le dis. Tu m'as strictement rien envoyé, c'était vraiment. C'était pas terrible. J'ai connu. C'est une stratégie. Ah d'accord, ok. Oh là là, c'est beau. Mais j'ai rien en même temps, qu'est-ce que tu veux que je t'envoie là? Ça voilà, ça rage un petit peu. On essaye de sortir les mêmes excuses à chaque fois. Non, non, je rage vraiment. Tu veux que je rage vraiment? Non, parce que c'est pas compliqué hein. Moi, je monte mon stage, voilà, je le dis. Mais moi, j'aimerais bien, mais ça bug. Ça lag pas, toi? Non, moi, ça va, je le vis bien pour l'instant, tout se passe. Tu le vis bien, mais parce que tu gagnes. Tout se passe plutôt correctement. Dès que tu vas bien, ah oui, mais t'as raison, ça buguait en fait, hein. Oh là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, je vous jure. Vous allez voir. Tout ça en direct. J'étais en train d'éclater mon bloc. Ouais, mais okay. En 1 minute 8, j'étais en train d'éclater et en fait, j'ai perdu. Bibi nous dit, c'est plus long qu'un match de tennis, ce truc. Ouais, mais il y a demi-temps. Demi-temps, il y a la pause café et la pause pipi. Il y en a deux entre-temps. Peut-être. Tu vois, ça lag. Peut-être 3-3. Mais ça, c'est à cause du direct aussi. Si t'avais pas voulu faire ça en direct, on aurait fait ça à la loyale, quoi. Bon, est-ce que vous êtes content quand même d'avoir eu un direct, même si c'est panel, quand même? Vous êtes pas obligé de répondre sincèrement. Hein, parce que... Vous êtes obligé de répondre sincèrement. Non mais les oh pauvres. Mais non mais je suis trop gauche. Les pauvres gens quoi. Alors là. Au moins vous connaissez Panel de Ponce. Il y a un jour un gros fan de Puzzle Game qui sort de nulle part parce qu'il y a personne. Hey, tu connais Panel? Tu veux jouer avec moi? J'ai pas d'amis. Panel de Ponce ou Tetris Attack, c'est le même jeu. C'est le même jeu. En plus bloqué. Et t'es morte en 23 secondes. En 23 non, secondes j'ai réussi à t'éclater. Non mais je suis pas chaude là. Et il y a 3-3. On se rapproche de la fin. Après on change de personnage quand même. Si Shiva Odin était là, je me permettrais pour lui de faire le match d'épée sur FF9. Parce qu'il est bloqué là-dessus depuis des semaines. Moi je te permets pas, d'accord? C'est mon direct. Ah ouais, d'accord. Ah, on est comme ça. Oh le petit 6 bloc. Oh le 6 bloc, c'est absolument magnifique. On va faire des. Oh, c'était joli ça. On va faire les commentaires. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait.
C'est incroyable. Ah, effectivement, Thierry, aujourd'hui, on se retrouve sur Panel de Pont, un excellent jeu. Hein. Développé par qui, finalement, d'ailleurs? On sait même pas. Par Omniwalk. On sait même pas qui a développé le jeu. C'est Nintendo, mais alors qui? C'est un jeu qu'on doit... Oui, Nobuo Uematsu, bien sûr. Effectivement. Oh là là, oh là là, oh là là, ça va être beau ça. Ah, on sent le gros combo. Non, je me suis foiré. Et tu peux pas m'envoyer des trucs là, parce que... Bah là, t'as un petit x4 qui va arriver, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça, j'avoue, ça dépanne quoi. Voilà, peut-être qu'un jour, Nounou, tu seras championne du monde de Panel de Pont. Déjà la championne de France. Parce que personne joue le frère. J'allais le dire, mais je me suis un petit peu retenu de le dire, mais tu l'as fait à ma place. Oh, merci. Ah, il y a un x7 qui tombe. Ah, il y a un x7. Oh, c'est un x7 non contrôlé. Ah, il y a un Oh, t'es en train de dire que je fais ça aléatoirement. Il y a des gens qui disent que c'est toi qui as développé Panel de Pont. Est-ce vrai? Oui. Est-ce la vérité? Je l'ai jamais dit. Nous le découvrirons lors de l'E3 2018. Peut-être. Si j'ai envie. Et voilà. Magnifique. Oh, c'était beau ça. Alors, la plus longue partie, c'est quand même 8 minutes. C'est vrai qu'arrivé à ce moment-là, on a le cerveau en compote, quoi. Personnellement, moi je. En fait, on parle même plus, quoi, tellement on est concentré. C'est vrai, j'avoue. C'est la pure vérité. Là, j'ai fait un 5 blocs comme vous pouvez le voir, c'est incroyable, c'est absolument dantesque. Oh là là. Comme moi, c'est... Heureusement que les gens n'entendent pas tout ce que tu dis quand même. Mais attends, mais t'es en train d'enchaîner v'là le combo là. Ah oui, x10. J'avais même pas remarqué. Oh là là. Alors le risque aussi quand vous faites des gros combos, c'est que vous pouvez perdre parce que vous avez tout qui arrive dans votre bouche. Voilà. Ah, oui, effectivement. Non, mais c'est vrai que x10 c'est quand même assez impressionnant. Il y a du style. Voilà, j'ai fait mieux que toi. x10, c'est incroyable. Le maximum. Est-ce que vous comprenez le mode de jeu en fait? Est-ce qu'on a suffisamment bien présenté la chose? Non, mais c'est n'importe quoi là, ça bug et tout. Voilà, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure qu'il allait dire. Mais non, mais le bloc du haut il a non, pas explosé. Mais oui, mais je comprends pas, c'est pareil quoi. C'est incroyable, le bloc du haut il est bloqué quoi. Non, mais il a pas explosé, moi, tu le sais très bien, tu joues. Pas, quoi. Tu joues autant que moi, tu sais très bien comment ça se passe. Ah oui, je joue autant que toi, c'est incroyable. Oh, l'enchaînement de combat. Juste la combotte. Non, mais ça c'est abusé. Là, regardez. Oh là là, je sais même pas si les gens ont vu, mais c'était absolument incroyable. Allez, dites-moi si mon truc a touché le bloc, ça n'a pas explosé. On regardera la diffusion, je veux un replay avec ralenti. Ah ouais, moi je veux un replay, moi. Slow motion et tout ce qui va avec. Non mais arrête, je risquerais de m'arnaquer. Le bug que c'était. Il y a du skill, effectivement, et oui, ça fait des années qu'on s'entraîne. Genre. Je vous conseille de y jouer parce que franchement, c'est rigolo. C'est assez... Mais tout seul, c'est pas chouette, faut vraiment avoir un partenaire avec qui on a beaucoup de conflits, d'ailleurs. Beaucoup de conflits. Plus c'est conflictuel et mieux c'est rigolo. Mais nous, ça a résolu nos problèmes de couple. Hein, voilà, il faut le dire. Ça a vraiment révolutionné notre vie de. De jouer à Panel de Pont. De joueur quoi. Grâce à ça, on est encore plus des noobs. Et à la preuve, on joue encore en niveau 1 après autant d'années d'entraînement quand même. Bon, là, je pense qu'on est peut-être plus au niveau 1. Je pense qu'on est au moins au niveau 5. Voilà, là, ça monte bien. En fait, on vous a dit que plus le temps passait, plus effectivement bon, ça. J'attends là, merci. Et d'ailleurs, le jeu, on peut plus regarder à quel point ouais, ça lag. Là, ça lag, là. Oh putain, je suis en x8 et j'ai encore v'là les blocs. Alors là, alors là ça va chier. Alors là, ça va. Moi, j'ai plus rien, là. J'ai plus rien. Ah non, mais non, le x10 qui passe et qui s'arrête. Et mercredi. Oh putain, c'est risqué. Oh putain, oh oui. Là, ce sera la plus belle partie de ce direct. Qu'est-ce que t'en sais, là? Oh là, l'agression, quoi. Non, mais vous avez vu cette agressivité, quoi. Ça, c'est les puzzle games, ça rend violent aussi, il faut le dire. Ouais, c'est interdit au moins de 18, normalement. Putain, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Il n'y a plus rien qui explose, c'est un petit peu la fin de Panel de Pont, quoi. D'accord. C'était à la base. Là, vous allez voir, j'ai fait un 9 blocs, normalement. Ah non, j'ai fait 2 fois 6 blocs. Du coup, ça compte. Oh là là, comment ça lag de ton côté? T'es genre, t'as le temps de parler, le truc il explose même. J'ai le temps de poser ma manette et tout quoi.
T'as le temps de nous expliquer comment fonctionne le jeu, c'est absolument génial. C'est incroyable quoi. Faut jouer plus souvent quand ça bug. Oh putain, je viens de foirer. On attend le x10 de Goto parce que pour l'instant on a rien vu. Pardon. Pardon. Ah le bill, merci. Pardon. Non mais tout à l'heure j'ai fait vu, un... ça s'est pas éclaté hein. J'ai fait un super combo moi tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Oh, c'est bizarre, ça a pas filmé. Attends, mais non, mais je suis en x4 là, je vais essayer de le faire sur le 10. On ne me provoque pas. Ah non, mais oui, mais voilà, mais oui, mais. Mais je suis pas centralisé sur les puzzles. C'est pas mon style de jeu. Oh, moi. Genre. Arrêtez. C'est lui qui me dit, oh, j'aimerais bien faire un petit panel aujourd'hui. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi on joue à ça en direct concrètement. On est à 5 minutes de jeu, si ça se trouve. Là, vous voyez, je me décombote pour pouvoir avoir plus de cubes. Je me décombote, du verbe décomboter. Au plus que parfait, je décombotame. Voilà. Il faut le dire quand même, nous, invente des verbes aussi pendant le panel de cubes. Oh, le temps que ça met à tomber. Et on va faire des directs plus souvent, ça, vraiment, ça permet une optimisation du combotiste absolument incroyable. Du combotisme. Combotiste, c'est pas très beau. Hein. Ouais, c'est vrai que ça manque un petit peu de finesse encore. Oh là, je le sens pas là, je le sens pas du tout. Voilà, normalement je vais bientôt mourir parce que j'ai plus rien. Non mais non. Oh, j'ai du bol, j'ai fait me décomboter encore là. Ah oui, le décombotage, effectivement, on constate, c'est de plus en plus présent dans les cités françaises. Hein. Oh, non. Ah oui, il fait des bruits de murloc aussi. Hein. Je sais pas si vous connaissez le murloc, mais c'est il fait des bruits de murloc quand hein, c'est. Et putain de merde, je fais n'importe quoi. Là, je suis désemparé. Oh putain multiplié. La vache! Oh putain la vache, je vais mourir! Non, oh là oui, là, s'il oui, te plaît. Ouais. Si tu m'entends, de là où tu es, fais quelque chose. Oh pour mon moi. Dieu, mais qu'est-ce que c'est que son ton speech là? Quel jeu d'acteur, c'est absolument incroyable. J'aurais dû jouer dans The Last of Us. Mais pourquoi The Last of Us? Non, arrête! Arrête-toi là! J'ai rien contre The Last of Us, je préfère vous dire. Non, mais c'est vrai que c'est un excellent jeu, il faut le dire quand même. Ouais, d'ailleurs, le 2 a été annoncé. Arrête, ne parle plus de 3, c'est fini. S'il te plaît. Les gens n'en peuvent plus de 3. Oh là là, je me suis encore décomboté. Ah oui, le décombotage. Oh, comment je me suis rattrapé. Oh, ça sent le gros. Ah oh, non, oh, ça sent plus ça. Oh, ça pue. Ça sent gros combo. Peut-être. Ah, je suis au x6. Il me manque plus que 4 combos et je vais faire mon petit x10 là. Et il n'y aura pas de x10, voilà. Voilà. Au moment où je commence à en parler, forcément. Ah, là, x6 quand même. Je me décombote aussi. x8. Tranquille quoi. Hein. Ouais, à côté de ça, nous ça fait plutôt plaisir, on va dire. x10. Allez, un petit x10 pour vous, les gens. C'est vrai, tu viens de faire un x10 là. Oh putain, je vais mourir. Oh putain, je vais mourir. Alors en fait, en général, je dis pas combien de fois je fais parce qu'il meurt direct, c'est ça qui est drôle. D'accord, ok. Oui, là je dévoile mes techniques du coup qu'il ne savait pas avant. Oh putain, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Ils attendent la vidéo principe de base. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah ouais. Il y a des gens qui s'y connaissent, ils savent bien qu'on fait des vidéos principe de base tout le temps quand même. Hein. Ouais. Je tiens à notifier, mesdames et messieurs, que nous sommes à 5 minutes, 7 minutes 15. Nounou, on a peut-être dépassé notre record. Regardez à quel point ça lag sur mon écran là. Le temps que mettent les blocs à Paris. Oh non, putain. J'ai le trop temps dégoûtée. De triplement. Oh, je vais perdre. Non. Ah bah si. Oh non. Oh non. Elle va pas mourir. Oh putain. Ça me vole. Non mais ça va, t'excites pas non plus les gens. Ouais, ça va, j'en ai pleuré là. Oh putain, moi je sens que je vais mourir. Oh putain, je sens que je vais mourir. Ah, je le sens pas là. Oh, oh non, le clavier bug. Non, il bug pas. C'était une blague. Non, je déconne. Oh putain, oui, c'est bon. Des fois, j'ai des bugs qui sont en ma faveur aussi. Ça m'arrive souvent. C'est absolument formidable. Ah merde. Je sais plus quoi faire. Je suis en x3. Je sais plus quoi faire. Je pleure tellement j'en peux plus. Ce sera notre dernière partie, l'ultime. Non. Mais non. Si, regarde, on est à 3-3, c'est tellement épique. Qu'on... Regardez. Oh, un 5 blocs perpendiculaire. J'adore quand tu fais du perpendiculaire. Putain, je vais mourir. Oh là là. Oh putain, j'ai réussi à survivre, mais c'est absolument incroyable. 8 minutes 11, nounou, on va déposer notre high score en plein direct. Franchement, c'est assez beau quand même, il faut le dire, il y a quelque chose. Tu fais un screen, quand même. Il y a quelque chose. Ah non, de... tu feras après. Quelque chose de magnifique quand même là-dedans, quoi. 8 minutes 21 de partie, quoi. Mais vous en pouvez rire plus à la fin de cette soirée. Et
Il faut le savoir, nous, quand on termine notre session habituelle, journalière, quotidienne de Panel de Pont, et ben après, on voit des blocs un petit peu partout. C'est quand assez... on dort, surtout quand je dors, je rêve Panel. Les gens vont nous prendre pour des fous, je sais pas pourquoi on a dit ça. J'ai plus rien. J'aurais jamais dû dévoiler j'ai plus rien. Ses arcanes secrètes. En fait, Nounou s'entraîne dans son sommeil, c'est pour ça qu'elle est aussi chère. Ouais, voilà. Et quand je suis aux toilettes, faut savoir qu'il y a des... Non, non, ça on va pas le savoir. Il y a du carrelage. Non, non, tu peux pas dévoiler cette information, c'est confidentiel. Non, mais toi, c'est pareil. Il y a du carrelage dans nos toilettes et en fait, je vois des combos partout. Heureusement que les gens ne verront jamais nos toilettes. Bon, il y en a déjà qui les connaissent. Oh putain. Je le savais pas. Je vous jure que je le savais pas. Genre Drago vient, genre Isaac. Oh putain de merde. C'est n'importe quoi. Et on est à 9 minutes. On est à 9 putains de minutes quoi. Non mais non, comment je viens de me décomboter. Oh non, je viens de... Oh non, moi aussi je viens de me décomboter. Suis... Oh non, je me suis... Oh non, mais c'est incroyable quoi. Je me suis triplement décomboté quoi. Non mais tiens un coup s'il te plaît. On va être à 10 minutes de partie sur Panel de Pont, on va déplacer le... Déplacer tous les sports du monde. On va déplacer le record mondial de partie en mode versus. Non mais là mais je suis n'importe quoi là. Reprends-toi Nounou, reprends-toi bordel. En vrai on est en train de faire un walk à la con mais en direct quoi. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les walk à la con? Est-ce qu'il y en a qui étaient là au moment où il y en a qui ont été faits? Petite question quand même. Sacrée question. Oh là 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 là. Oh là là, regarde le x5 là. Le x5 qui est parfait quand même. Hein. Ouais, ouais, parfait, pas tellement, mais bon. Ouais, toi t'as rien vu. x8, hein. Je vais vous refaire un petit x10, je pense. Non, mais ça va, t'enflamme pas non plus là. Regarde, les gens ils. Hein, ont... x9. Ils ont pas besoin de ce genre de combo, tout ça c'est. x9. Oh, oh, c'est... Oh non. Je suis désolé. Oh non, je suis mais. Là c'est laid, là c'est laid, vraiment. J'ai perdu. Non! 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 Oh, regarde de toi, il s'est arrêté! 9,59, c'est le maximum! C'est le maximum! Oh là là! Oh là là! Putain, le truc de ouf! Un jour, vous... hey, je vous ferai une photo de notre carrelage dans les toilettes. Non, ils ont, dit... ils ont dit vidéo spéciale 2K, les toilettes. Non, 4K, les toilettes d'Omniwalk. 4K en 60 FPS. Ah oui, mais là, il va falloir investir dans le matos, là. Non, non, il n'y a pas besoin. Vous avez décomboté à fond. Mais c'était la dernière partie. Ah bah mais non, mais non. J'ai gagné. J'ai ah gagné. Putain, ouais, t'as gagné. On est... Mais oui, mais non, j'ai gagné. On est reparti pour j'ai des minutes. J'ai fait 2x10, 1x9, 1x8. Non, non. Je suis non mais par contre, fais pas trop de bruit, il y a des voisins qui dorment. Il est minuit et demi quand même. Je fais pas trop de oui. Fais pas trop de oui sport, on sait jamais ce qui pourrait se passer. Oh putain, je sens le gros combo. x6. Oh le petit x6. Mais là, j'attends. Oh le petit x7 là. Oh, 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 oh putain merde. Oh je suis trop dégoûté. Oh oui. Il n'y aura-t-il donc jamais de x10 oh en direct là. Oh là là. Mais si moi j'en ai déjà fait. Oui mais pour moi quoi. Non mais toi c'est sûr il n'y en aura jamais hein. Moi mon maximum c'est x15. J'ai fait un x15 moi tout à l'heure. Moi aussi j'ai fait un x15. Mais c'était pas en c'était direct. C'était pas en vidéo. Oh c'est dommage. Quel dommage. J'aurais tellement pu vous prouver mon skill. Enfin un minimum de skill quand même parce que. Comme quoi on peut pas être bon à tout hein. Même quand on est sur nous, ouais. Oh, j'arrive même pas à croire ce que j'entends, mesdames et messieurs, c'est horrible. Moi qui voulais faire du God of War ce soir. Moi qui voulais faire du God of War. Oh, arrête, t'es content quand même. Oui, c'est vrai. On est content de vous voir. On est content de vous voir. Je pense que enfin, ça en tout cas, moi, je suis content. Je pense que ça se sent légèrement quand même. Ah ouais. Rien surtout Nounou, elle a complètement la patate là, je sais pas ce qui lui arrive. J'ai bu un café. Ouais. Ah, c'est peut-être ça, effectivement. Voilà, d'ailleurs, t'as pas bu, tiens. Si, je demande mon stage alors qu'il m'envoie du pâté là. Le pâté, parlons du pâté. Oh la Nounou, elle nous régale avec ses 2x10. Tant, t'as des compliments sur Panel de Pont. Je fais un x4 en un seul coup, s'il vous plaît. Ça y est, elle s'enflamme. Non mais lui faites pas de trop compliments parce fois que 6. Après j'entends parler pendant des années. C'est... Oh, arrête, n'importe quoi. Ah oh, mais si c'est horrible. Oh merde, je me suis trompé, vous avez vu. J'adore comment tu commentes. Il y a vraiment quelque j'adore chose. J'adore de... commenter. Arrête, je vais mourir à cause de toi. Oh genre, c'est tout le temps de ma faute de toute façon. Bah oui, voilà. Peu importe si je gagne ou pas, c'est tout le temps de ma faute. Et merde, voilà, je me décombote à fond encore une fois là.
C'est tellement beau. Alors, on va faire une vidéo spéciale des combotages, où ce sera Goto qui la fera, d'ailleurs. La vidéo comment... Putain, non. Oh là 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 là, le rattrapage in extremis. Oh putain. Tel un cliffhanger des années 90. Et voilà, ça c'est beau. C'est le beau jeu. Et fochette. Fochette. Mais vas-y, mais arrête. Oh, non, mon général, je gère, mais là je sais pas ce que je veux. Je suis le mec qui panique, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est les gens, ils me perturbent avec leurs commentaires, là, aussi. Bah, arrête de... Regarde-les, ils font les malins. Ils font les malins, oh, sur merde. Le chat. Mais venez à ma place. Venez à ma place. Vous savez pas ce qui se passe ici. Au sein des locaux d'Omniwalk. Une bombe vient d'exploser. C'est complètement incroyable. Oh, putain, mais voilà. Mais c'est n'importe quoi, ce que je fais. Et en plus, je suis gentil, hein. Je ne suis pas concentré. Oh, à non, ce mais soit, là, je me décombote encore, quoi. C'est moche. Vraiment, c'est moche. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. On va faire une coupure, je pense. On va faire une panoramique sans le... Non mais arrête, ça va, c'est ça bon, va, ouais. Les gens ils ont compris. Il est vexé le petit Goto. Non non mais c'est, hein? Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, il rage, il rage. C'est là pas vous voyez, il rage. C'est pas ça, mais c'est n'importe quoi. Regarde comment ça bug, putain. Mon écran et il après, est... Et après direct il va me dire, oh comment tu m'as défoncé. Ah c'était incroyable, oh. C'était un grand moment, il faut le dire. Voilà, j'ai plus de stage, regardez. Voilà, non, j'ai restez plus de stage, et moi j'ai plus, j'ai, voilà. Je joue quoi. Oh là là, ça met tellement de temps à péter aussi là. On est à 3 minutes 3, 3 minutes 15 de oh quoi. Merde, t'as vu ce que j'ai. Non, non, c'est dégueulasse. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh putain, c'est dégueulasse. Voilà, voilà. Concrètement, c'est dégueulasse. Vince, il a pas ses sensations. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Mais c'est pas on ça. On est égalité, pense. Eh ouais, et bah... Non, mais ça, c'est la partie finale, attendez. Non. Mais oui. Si, après 8 minutes, on est 9 minutes 59. Ah, on n'a pas de les voir à 15. Mais non, mais après, il y a la rediff. Oh là là, oh, je panique. Le mec, panique. Je panique. Eh, mon cœur, il bat à fond, j'en peux plus, là. Ah, moi, j'ai mal au crâne, tellement marre. Tellement c'est rigolo. Ouais, eh, je voulais dire un truc, mais je me rappelle plus. Ouais, bah, dis rien, alors. Oui. Non, mais c'est ça. C'est justement, à partir de x13, ça affiche plus les numéros. Ça, il... T'es sûr que c'est pas x14? Non, c'est x13. À partir de x13, ça n'a enfin, plus. Oui, le x14, en fait, c'est en point de hein. Oh là là, oh la partie à 25 secondes. Oh, oh la partie à 25 secondes. Oh là 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 là. Ah oui, c'est un pari ça, le x15. Parce que ça risque pas d'arriver. Hein. Non, c'est mais par hasard tout à l'heure. Ouais, voilà, la plupart du temps c'est quand même relativement pas mal de chance. L'autre fois quand même, j'avais bien contrôlé. Hein. C'était mon x15 bien contrôlé. Hein. Oui, mais on sait que t'es une boss, y a pas de problème. Non, mais franchement. Honnêtement, la première fois qu'il y a eu un gros combo, c'était un x11, et c'était Goto qui l'a fait, et j'ai mis des mois avant d'arriver à faire un x11. C'est véridique. Oh là là, quelle honnêteté, c'est beau. J'adore l'honnêteté. J'adore le thé. Un jour, je ferai un walk. Arrête. D'ailleurs... Oh putain, le petit x6. Oh, le petit x7. Oh non, mais non. Tu me laisses en placer une, s'il te plaît. Je perds en silence. C'est là. J'ai fini FF1, donc si vous voulez faire des demandes de walk, y a pas de soucis, parce que du coup, je n'ai plus de walk et je sais pas quoi choisir. Panel de pont. Non, mais en fait, il est déjà fini. Ouais, d'accord. Merci, au revoir. Oh putain, c'est beau. Non. Oh, le petit foie. Oh, c'est abuseille. Comment ça se fait que ça pète pas les blocs du haut? Mais c'est ça que je comprends pas. Mais je comprends pas. Non mais sincèrement, je ne comprends pas. Sincèrement aussi. Arrête de te foutre de moi là. PLS pour nounou sur Florence. Mais oui, mais voilà aussi, c'est... Je me mets un PLS quand vous voulez, les gens. Proposez vos requêtes si de PLS. Si ça vous fait plaisir, je suis prête à le faire. Arrête. Ah, c'est beau. Quel sacrifice. D'ailleurs, c'est Goto qui pourrait me mettre en PLS. Démonstration. PLS Simulator. Ah, putain, mais c'est un direct qui sert à quelque chose qui sensibilise les jeunes, effectivement, sur la PLS. C'est beau. Oh putain, voilà. Ah, on n'a pas expliqué à quoi servaient les points d'exclamation. C'est quand même un. Ah oui, d'accord. Ah, regarde, voilà. C'est quand même un élément primordial du gameplay. Explique aux gens ce que c'est les points d'exclamation. Ça va te déconcentrer. En fait, ça envoie un truc qui s'éclate en. Bah, en fait, en une fois, on peut pas éclater d'autres trucs avec. D'autres blocs.
Là, vous voyez, tout mon bloc s'éclate en même temps, et quand il y a une barre grise, en fait, et ben ça... Putain... Bon, je vais vous l'expliquer, parce qu'avec Mimou, c'est toujours aussi clair, en fait. C'est ça qui est absolument formidable. Je vous laisse imaginer quand je fais une vidéo commentée sur FF1. Non, dis pas ça. Tu commentes quand même correctement. Mais là, c'est juste qu'il est tard. Les gens peuvent comprendre que... Voilà, il y a un élan fatigue. Il est tard, et en plus, de ça, je suis super concentré. Il y a un élan de fatigue, effectivement. Il y a un élan de quoi ? Il y a un élan de fatigue. Encore ? Il y a un élan de fatigue. L'animal, ah, mais il y a un élan, oui, putain, voilà. Oui. L'élan. On expliquait quoi ? Oui, les points d'exclamation. Alors, les points d'exclamation, mesdames et messieurs, c'est très simple. Quand vous montez votre stage, donc là, par exemple, si je montais mon stage, il y aurait des points d'exclamation qui apparaîtraient. Ce sont des blocs un petit peu spéciaux, vous explosez, et qui vont tout simplement... Sauf qu'il ne peut pas monter son stage parce qu'il est en train de mourir. Voilà, ils sont un tout petit peu plus durs à exploser, parce qu'en fait, par exemple, là, j'explose le gros bloc vert, ça va exploser tout le truc. Alors que les points d'exclamation, ça va être beaucoup... Enfin, il faudra plusieurs combinaisons pour les exploser. Donc c'est combinaison, C'est un petit peu plus chiant. Mais c'est très très dur à placer parce qu'il faut réussir à monter son stage. Le mieux c'est de faire un 4 puisque ça épaissit. On te propose en demande de walk FF10-2. Les gens sont quand même assez fous. Hein. FF10-2, il n'y a pas FF10 déjà. C'est vrai. Elle a raison, on peut pas faire ça. Voilà, on peut pas faire ça. Non. On peut pas faire ça. Oh putain. Oh, je me sens bien là. Qui c'est qui propose ça d'ailleurs? Oh, je me sens bien. Non! Mais non! Mon stage est tout plus aplani. Oh là là, oh je sens le gros foie. Je sens le foie. Oh, x10. Ah voilà, vous êtes content là. Ah, faut pas que je m'arrête là, faut que j'ai la folie des grandeurs. Oh putain, non. Oh mais non, c'est... Putain, je vais crever. Oh, c'est le gros caca. Alors là, c'était le combo cactus. J'ai quand même fait un x10, voilà. Le combo cactus. Le combo pampa. Je tenais quand même à le dire. Oh, FF10-2. Oh, c'est beau, voilà. C'est... D'ailleurs, y a-t-il des pampas dans FF10-2? Je vous le demande. Je pense que oui. C'est très très fortement probable. C'est très probable que oui. Oh, oh là là, le x4. Vous avez vu que je fais n'importe quoi quand même. Hein. Je tiens à préciser. Non, mais on va s'arrêter là quand même après. Rassure-moi. Non, mais c'est aux gens de nous dire, est-ce que vous voulez revoir du panel? Est-ce que vous voulez revoir un petit x10? Est-ce que vous avez envie de voir... Je sais pas. Est-ce que vous avez envie de voir déjà? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Ça fait 2 à 1 niveau x10. D'accord, non mais on m'encourage même pas quoi. Putain, j'hallucine. En même temps, tu mérites pas, tu fais du Destrap Dungeon, voilà. Quoi. Mais c'est très bien Oui, non, mais c'est un bon jeu, il faut le dire. C'est un jeu assez particulier pour son époque. Mais, pour son époque. Mais voilà. Alors imaginez maintenant. Oh là là, mais voilà, vous me faites dire ce que je voulais pas dire. C'est... Non. C'est non. Non, il faut pas dire... Oui, ok, d'accord. Non, mais pas dire panel de fond, ça sert à rien, quoi. C'est... Oh putain, je sens que je vais me retaper un petit x10, là. Oh oui, oh oui. Putain. Oh oui, je me sens bien, là. Non. Oh non, j'ai décomboté. Oh oui, oh là là, oh oui. Attendez, on est à x7, là. Oui. Oh non, bah non. J'ai fait n'importe quoi, mais non. Concrètement, là, j'ai fait n'importe quoi. Concrètement, je ne mérite même pas un x10. Les gens ont quand même vite capté le système. Et je suis mort. 4 minutes 37. Et c'est marqué que c'est pour t'encourager. Ah d'accord, ok. Le surpassement de soi-même, c'est beau. C'est beau. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter, personnellement. Bon, je trouve que tu te surpasses pas beaucoup. Hein. Moi, après cette partie, je vais faire une pause pipi. Ouais, je tiens à prévenir tout le monde. Ah oui, parce qu'en fait, Goto, quand il est stressé ou quand il est concentré, il a tout le temps envie de faire pipi, mais c'est un truc de fou. C'est pas vrai. Des fois, il y va, et genre, 5 minutes après, il fait... Mais tu peux pas balancer ce genre d'informations sur... C'est confidentiel, c'est exactement confidentiel. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous faites pas partie un peu de notre famille, quoi? Je me décombote tout seul, voilà, c'est triste. Sincèrement, oh, c'est triste. Merde. Il y a des choses comme ça dans la vie, Et pourquoi? Parce que Ah oui, ça c'est la bonne réponse. Ça. C'est la réponse que je te donne. C'est la réponse C. Non, c'est la réponse D plus particulièrement. D, la réponse D. Là, je monte mon stage. Regardez, les points d'exclamation apparaissent. Hein, c'est absolument incroyable. Mais j'en ai que 2. C'est la tristesse, la désillusion totale de. Oui, parce qu'il en faut 3, évidemment. De ce qu'aurait pu être ce combo absolument formidable. Que j'aurais pu placer. Oh oui, mais ça c'est beau. Et si on se faisait un petit Yannick Noah tennis machin? Oh oui. 1 vs 1.
Les gens, est-ce que les gens nous ont pas proposé un jeu un petit peu plus décent? Les gens ne nous proposent rien du tout. Je pense qu'ils ont envie de continuer de voir du panel. Non mais c'est quoi ce bordel quoi? Mais merde. Non mais je me permets un petit coup de gueule, voilà, le petit coup de gueule du soir. Parce ouais, que... En fait il rage parce qu'il perd, donc du coup il a plus envie de faire le panel, tu vois. En général c'est comme ça, et vu que c'est lui qui a le clavier, c'est lui qui ferme la page. Et en général, quand il perd, en fait il ferme la page alors que moi j'ai pas envie d'arrêter de jouer, quoi. Oui, parce que je gagne. C'est assez triste. Oh là là, oh là là, j'ai rien fait. Oh là 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 là. Mais combien de temps va durer cette partie concrètement? Dans une minute 26, 2 minutes je pense. Vous avez vu l'estimation quand même de Nounou. Ah, on nous propose du Windjammer. Ah oui, Windjammer. Alors ah, mais il y a des gens qui connaissent Windjammer, c'est absolument mais incroyable. Ça se fait, c'est qui ça? Qui a pris... Ah non, mais... Non mais qui? Qui vous a présenté Windjammer? C'est ça. C'est ça la question. C'est peut-être nous. C'est peut-être nous. Effectivement, on a fait c'est une vidéo... C'est parce qu'on a fait un omniplay, je crois. Bon, arrête de faire l'innocence, tu sais très bien. On a fait un omniplay sur Windjammer. Oh. C'était déjà depuis le début que c'était nous qui l'avions présenté. Je le sais parce que tu me l'as dit. Je sais parce que tu me l'as dit. Ok. Oh. Ah merde. Oh. Ah oh. Et heureusement que vous n'entendez oh pas le son parce que. Fail. Concrètement, à chaque fois qu'on fait un combo, il y a une petite mélodie. Alors, je vous imaginez le nombre de fois où ça se. Ah oui, est-ce que vous entendez un peu le son ou pas quand même? Non, parce que je l'ai baissé plutôt correctement. Plutôt correctement. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont le wifi? Parlons de la musique un petit peu d'ailleurs. La musique est incroyable. Musique de palette de pont, c'est. C'est quelque chose. C'est un OST. Donc là, je vais perdre normalement. Si ouais. Ça se passe bien. Ouais, moi je suis plutôt bien parti là. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Concrètement, j'ai plus rien. Voilà. Bah voilà, tu peux me regarder jouer si tu veux. La partie à 5 est terminée. Oh, je crois que c'est même. Et moi, je vais faire la pause. C'est moi qui a perdu. Ah non. Tu m'as fait douter un moment là. Bon, je te laisse commenter toute seule, hein, tu gères. Ok. Alors, on va jouer contre Koto. Le fantôme de Goto en fait, c'est le boss final. Je change de personnage. Donc on va peut-être se faire un petit Windjammer après, même peut-être un Tetris ou un Dr Mario, un petit truc comme ça quoi, un petit jeu détente quoi. Mais vous allez voir que si on fait un Dr Mario, je suis loin d'être très bonne en fait, c'est plutôt Goto qui me défonce. Et encore, parce que je prends même moins de pilules que lui à éclater, alors vous imaginez si je prenais la même chose. Bon là, je joue un peu safe, donc pour avoir le temps de jouer quand même, hein, vu que... Voilà quoi. Vu que Goto est en train de faire pipi. 20 secondes pour battre le fantôme de Goto. Incroyable, incroyable. J'ai rien d'autre à dire. Le round 2. Ah oui, il faut savoir aussi qu'il y a une autre particularité, c'est qu'on a exactement le même stage. Donc du coup, bah en fait, quand il y en a un qui dit qu'il n'y a rien et que l'autre, il fait blâler les combos, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, quand même. Enfin, en général, je pense qu'il y a tout le temps quelque chose. Tu peux arriver vite, s'il te plaît, je sais plus quoi dire. Concrètement, j'en profite pour demander, quand même. Aimez-vous panel de pont? Oh merde! Ah bah merde. Oh, j'ai débranché la manette! Oh, j'ai débranché la manette. Ah bah tu fais une petite. Vous avez sûrement entendu le petit On fait un petit Windjammer? On fait un petit Windjammer. Les gens ont proposé. On fait une dernière partie. On fait une dernière partie. Proposez les jeux que vous avez envie de voir. On fera du Windjammer en premier. Je tiens à dire que après avoir été aux toilettes, je pense être capable de taper 1x15. Je pense ah, être ça, capable ça de taper. Ça veut dire que Bibi Trans a raison et il a pris des cachetons. Oh là là, mais. On va voir ça tout de suite, je pense. Vous êtes extrêmement mauvaise langue, c'est absolument incroyable. Oui, alors, les quick save, l'outil principal... d'Omniwalk. Oh là là, mais c'est moche de dire ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, vous voyez cette souris, oh là là, la belle souris. Ouais, enlève-la. Ce jeu n'est pas tactile, c'est dommage. Tactile? C'est pas un jeu à... C'est pas un jeu DS, c'est pas... Oh, c'est pas un jeu App Store, putain, mais merde, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui joue à Candy Crush? Non, 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 personne nous dit. On va pas commencer à rentrer dans les sujets. On va pas divaguer, hein, c'est un jeu trop politique. Oh putain de merde. 3 secondes à nouveau. Donc là, ça compte pas. On est d'accord, ça compte pas. Mais si, ça compte. Non, ça compte non, pas. Non, bah dans ce cas-là, on recommence la partie. Voilà. Oui, voilà, on recommence la partie. Ça, c'est voilà. Pareil, c'est un des outils qu'on utilise. J'ai losé. Là, c'est toi qui lose. Je suis désolé.
Voilà. Ah, on aurait pu essayer de perdre en même temps pour voir ce que ça fait. T'es à 7 points. Comment ça se fait que t'es à 7? T'as fait une partie pendant que j'étais aux toilettes? Bah oui. Mais c'est dégueulasse. Mais il y a plus de respect. Il y a carrément plus de respect. Alors, c'est pas... Respace. Le nouveau mot de Goto. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, bah, décomboté, excuse-moi, mais tu peux parler un petit peu. Ah bah, franchement, c'est plus français, hein. C'est plus panel que toi. Quoi? C'est plus panel que toi. Oh là là, le clavier, il bug! Oh là là, incroyable! Sérieux, le clavier, il bug! Non, mais les gens vont pas vous croire à cause de toi, parce que tu balances toujours des trucs genre... Oh, c'est un menteur, machin... Non, mais ça va, les... Il s'enfonce tout seul, j'ai rien dit du tout. Non mais c'est pas vrai, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non mais concrètement le clavier bug. Là ça va un petit peu mieux, mais 10 fois 6 sans rien. Il y a des petits moments, on voit rien en fait. Il y a des petits moments, on va s'acheter un putain de clavier parce que... Oh le petit x 8. Je suis pas loin du x 10, il faut le dire. C'est quoi ton truc là? Tu m'as envoyé un quoi? Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que je fais comme pombo. Ah, parce que moi j'ai pas la fureur du noob ou je sais exactement ce que je fais. La fureur du noob. Ce serait bien de lancer une hype panel de pont, je sais pas, que la communauté, une communauté qui revive quelque chose d'intéressant quoi. C'est pas intéressant là. Bah, c'est presque passionnant, j'imagine que pour les gens là, vous, c'est absolument incroyable. Sûrement, c'est sûrement peut-être la première fois de votre vie que vous voyez du panel de pont. Peut-être que ça vous... Peut-être la deuxième fois, ou peut-être la troisième fois, parce qu'on a fait trois vidéos dessus. Trois vidéos dessus? Non, si. Alors, pourtant, celle de Facebook. On n'est pas autant sur panel. Non, bah non. Fois 8. On n'est pas des gens comme ça. Fois 9. Non, mais elle est sérieuse. Oh non! Oh, dommage! Le fois 10 qui se rate à 2 secondes. Oh, c'est vraiment dommage. Quel dommage. Ah, c'est vraiment damage, hein. C'est pas du no damage. Hein. Image. Dédicace, en tout cas. Non, en fait, pour vous dire, on fait jamais de dédicace. Hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est rigolo. Ah, d'accord. Toujours autant de tact, Nounou, c'est absolument fou. C'est absolument fou. Oh là là, il y a du bloc partout. Là. Faut vendre son âme au diable. Vous avez vu qu'il est bien fait quand même, il vaut bien le jeu PS4 quand même. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un Puyo Puyo qui est sorti sur PS4 pour les gens qui adorent les puzzle games? Et oui, je vous apprends des choses. Oh, j'ai plein de points d'exclamation. Alors ah, j'ai oh, plein... ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah. Ah, tu commences à parler comme dans Banjo Kazooie. Je capte plus. Ça veut dire que c'est commence à devenir un petit peu mauvais. Oh, j'ai rangé mon stage. Oh, j'ai rangé mon stage. Oh, il est propre. Pour une fois. Il est absolument propre. Ah non, oulala, regardez. Un bloc. Ah, alors là, je vais faire un x2 horizontal et puis vertical. Ah non, x3, excusez-moi. Genre, tu sous-estimes tes combos en plus. C'est ouf. Bah, je préfère oh le petit 9, bloc x3. Voilà, il y a des choses. Oh, le petit x5. Oh, j'ai rien. Oh, ouais, pareil, j'ai pas beaucoup de blocs. Oh mon dieu, hein. J'ai perdu. Ah non. C'est pas avec ça que je vais taper du x15. Hein. Ah, il faut le temps que le ménage fasse effet, quoi. Non, mais arrêtez avec ces rumeurs d'anabolisant, là. Je suis pas venu là pour souffrir. Pour subir ce genre de paroles. Ok. Ok. Ah, sérieux, il y a des gens qui viennent de lancer panel. Ah, oh, trop bien. Ah là là. Si seulement on pouvait jouer en ligne, mesdames et messieurs. Ah, si t'arrives à le finir en very hard, et j'aimerais vraiment jouer contre toi. Non, vraiment, vraiment. Nounou lance une annonce, quoi. Non, mais j'aime. Entraînez-vous, dès qu'on se voit, dès qu'on se rencontre un jour, je vous promets, je vous déchire sur Facebook. Sur Facebook. Non, mais arrête de dire n'importe quoi. Il devient trop tard, là. Ah, il devient trop tard, voilà. Même au niveau de la parole, il n'y a plus aucun sens, quoi. C'est vraiment l'heure d'aller se coucher. Oh là faire. Là, tu vas me décomboter là. C'est toi, tu vas me décomboter avec tes bêtises. Oh là là. Et bon courage quand même pour les gens qui s'entraînent. N'hésitez pas à vous inspirer. Ouais, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles sur le panel parce que moi j'adore les nouvelles. Je tiens à dire que je ne contrôle absolument pas ce qu'elle dit. Et il assume pas non plus. Ah non, j'assume absolument pas. Je ne connais pas cette personne. Je tiens à le dire. Oui, genre, tu connais pas, mais bon, ça fait 3 ans qu'on se connaît, quoi. Non, ça fait pas 3 ans qu'on se connaît, ça fait pas 3... Ça fait 5 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, un peu plus, parce que ça fait plus... Oh, c'est bête.
Oh, c'est bête, regarde. Oh là là, oh le petit x6, oh le petit x6 qui a bloqué. Vous avez vu à la vitesse où ça augmente. X7, oh là 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 là, x7, c'est beau. Là, je sens que je vais mourir, je sens la fin. Et on est à 4 minutes 30. Et voilà, je sens la... Putain, ça me saoule. Je vous déchire. Vas-y, Bibi. Faut mettre je vous déchire, nounou 2017. Voilà. Déjà, t'as une estime de toi qui est assez élevée, quoi. Il faut le dire. Sur le panel, voilà, t'es... Ben ça, c'est à cause de toi, t'es pas assez fort. Si t'étais plus fort, peut-être que j'aurais une autre estime. Je prends tellement cher, mesdames et messieurs. J'ai même pas envie de me défendre face à ce genre de... d'inepties. En fait, il a juste pas de réplique, quoi. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire. Tant donné que je me prends déjà 7-3. C'est trop bas pour toi. Oh putain, oh, je sens le gros combo, là. Oh non, putain, je suis trop bête. Oh putain, merde, pareil. Oh putain, pareil, je me suis décomboté, c'était pas beau. Oh là là. Et du coup, tu as lancé ce verbe, hein. C'est un petit peu comme walker, c'est tu as lancé le verbe décomboter. Ça a l'air de fonctionner, les gens l'utilisent. Non, c'est ça qui est incroyable. C'est la mode du nounoux. Nounoux, ouais. C'est un petit peu comme... Nounoubox. En vrai, j'en peux plus. Pourquoi tu me forces à faire ce genre de direct? Demain, on vous refait un direct, si vous voulez. Non, arrête. Non, mais parce que je fais ce que je veux. Non, mais leur propose pas ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais non, mais... Va pas déranger les gens avec du... Déjà, on les dérange on avec... On dérange personne, les gens viennent comme ils veulent. D'accord, okay. Genre, et moi, je venez pas... comme vous êtes. Elles en peuvent plus, je pleure de rire avec ces conneries. C'est bon, on peut arrêter. On a fait une dernière partie, on avait dit une dernière partie. Ah oui, c'est vrai. Oui, on ferme l'émulateur, Alors, vous allez avoir un petit instant. Attends, de préparation. Attends, fais un quick save pour notre partie de 24. Alors, vous allez avoir un petit temps de préparation, le temps que je configure Windjammer, et qu'on configure les touches, parce que c'était pas du tout prévu. Et vous avez vu tous les jeux qu'on a, on a My Little Pony. Mais les gens ne voient pas, les gens voient là ce qu'ils voient. Ah d'accord, vous avez voilà pas ce qu'ils voient. Ok. Si. Est-ce que vous voulez voir? Ouais, c'est pas vraiment une très bonne non, idée. Non, c'est pas une bonne idée. On va pas vous montrer ce qu'on a sur Rogue Sessions, c'est pas spécialement. Légal. Je sais pas si c'est spécialement légal. Légal ou. Alors, Windjammer, concrètement, on va allumer Windjammer. À côté d'Yannick Noah, quand même. À côté d'Yannick Noah. Il y a Yannick Noah All-Star Tennis. Il va falloir que je baisse le son parce qu'à mon avis, ça va être très fort et vous allez vous. Attention à vos oreilles. Vous allez vous taper une méchante. Un méchant. Green. Alors, est-ce que ça marche? Ça m'a l'air d'être bon. Normalement, il n'y a eu que quelques secondes de son de Windjammer. Ça a mais l'air mais d'être mais ok. Mais le jeu s'affiche pas. Le jeu ne s'affiche pas. Non, mais le jeu s'affiche pas. Réglons non, mais le jeu s'affiche pas. Réglons ce problème tout de suite. C'est incroyable. Et si on jouait sans le jeu? C'est incroyable. Concrètement, c'est incroyable. Mais de rien, Bibi Trans, c'est notre deuxième jeu qu'on adore. Ah ouais, ça, c'est vrai que c'est un jeu. Oh putain, ça lag. Il y a aussi Mario et Tetris qu'on adore jouer à deux aussi. Non. En tout cas, je tiens à remercier les 6 personnes qui suivent le direct. C'est incroyable, c'est tellement interactif. Non mais, il n'y a pas 6... C'est quoi ce truc? Quoi? Mais c'est quoi ça? Bah c'est l'intro. Mais il n'y a jamais eu le mini-jeu là? Où bah, tu lances non, le truc... On joue qu'à deux. Oh la vache, il y a un mini-jeu de lancer de... Oh! Mais c'est super lancer bien. Lancer de chien. Lancer de chien, ouais. C'est absolument génial. Vous commencez à percevoir le jeu, j'essaye de le bon, il est juste inversé, il me semble. J'essaye juste de le rogner correctement, hein, voilà. Voilà, c'est bien. Oh, regardez-moi cette technologie, c'est absolument... Alors, Bibitrans, est-ce que t'as déjà joué à Windjammer? C'est ça que moi, j'aimerais bien savoir. Alors là, t'es en train de jouer... On est assez riche, on met beaucoup de pièces, voilà, il y a 31 crédits. 40 francs. Par contre, est-ce que les touches sont configurées? Moi, c'est là, un petit peu la question que je me pose. Input. Alors, mesdames et messieurs, ça a l'air d'être configuré correctement, effectivement. C'est parti. Alors. Ah, je m'en rappelle plus des touches. Ah non, moi non. Oh putain. Attends. Mais t'as pris mon CPU? T'es en train de jouer contre un ordinateur? Montre-nous ton skill, voilà. Ah non, non. Mais maintenant, t'es obligé. Bah, voilà. Ah bah oui, mais j'ai rien fait. Mais ouais, mais tu fais des conneries. Voilà, tu fais des conneries. Vous êtes con. Voilà, vous le voyez. Est-ce que vous allez me pardonner? Vous le voyez quand même. C'est assez fou. Alors. C'est assez fou. T'as 30 secondes pour nous impressionner, quoi, c'est ça aussi. Ah, non, mais moi je vous impressionnerai pas là-dessus, quoi, c'est sûr. Est-ce que tu vas déjà gagner contre ce CPU? Non. Ah, c'est vrai que sur Windjammer, t'as un peu moins de skill. Voilà, t'as un peu moins de skill sur Windjammer. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Déjà, Nounou, un petit avantage, c'est qu'au moins elle reprend les touches avant moi aussi. Elle reprend les touches? Bah, moi je me rappelle plus des non, touches. Non, mais genre.
Alors ça, c'est pour mieux gagner après, tu vois. Se plaindre pour mieux gagner. Oh là, il te met un super... Oh, tu lui renvoies le super tir, c'est beau. Et on n'a pas détaillé ce qu'était Wingé. Oui, mais t'as perdu, parce que lui, il avait déjà 30 points ou 15. Ah oui, puis il y a du temps, hein, c'est de la merde, ça. Bah ouais, malheureusement, je ne pourrais pas l'enlever le temps, je sais plus, il faut faire une combinaison de touches. Bah, fais une combinaison de touches, là. Bah non, concrètement, je ne connais plus cette combinaison de touches. Bah tu peux regarder sur internet. Ah, alors Windjammer, mesdames et messieurs. Alors Windjammer, c'est un excellent jeu, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu de frisbee. De frisbee, c'est assez original. De FIFA, t'allais dire. Non, de frisbee, j'allais dire de frisbee. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai dit frisbee. Donc c'est un jeu de frisbee, et comme vous pouvez le voir, c'est assez... Non mais genre, il est de la cheaté. C'est comme un Super Mario chargé de football, mais en version frisbee. Et c'est juste extrêmement frénétique. Ça peut aller très vite, comme ça peut être très lent. Et donc là, voilà, on va se faire une petite partie. On redémarre l'émulateur, ok. Ouais, je crois qu'on va faire ça, parce que là, on est vraiment extrêmement mal barré. C'est quoi ce bordel? Oh là là, il me fait des trucs bizarres mon ordinateur. Je déteste ça. Vous avez vu un petit peu l'effet ressort que ça a fait? C'est extrêmement particulier. L'effet ressort. Alors vous voyez un petit peu les configs de mon CPU. Si, quand même, je vous fais une petite chanson. 94. T'étais même pas né. Toi non plus. T'étais encore un poisson pané. Si, 94. Non, Si. Non, t'es encore surgelé, toi. C'est méchant ce que tu viens de dire. Ah, c'est vrai qu'au Mexique il n'y a pas de congélateur. Oh putain, ça y est, c'est reparti. Les gens vont croire que je suis mexicain. Les gens vont croire que je suis mexicain maintenant. On remet les crédits à fond. Non, doucement. Les gens entendent la barre de space. La barre de spam, c'est ça. La barre de space. Tu fais attention à ce que tu fais cette fois-ci, s'il te plaît. Là, voilà, tu fais 1P vs 2P. 2P. Moi, je vais prendre. Alors, ils ont tous des noms complètement random. Hein. Shiba. Ça fait ça. Ouais, quand vous voyez, on vous fait le son, moi, si vous entendez peut-être pas le truc. Alors, je prends. Il y a plein de stages, noir. Concrètement, c'est toujours le les noir, mêmes. Le noir, il est où le noir? C'est celui-là. Tout en bas. Pourquoi tu prends celui-là? En général, on prend la biche. La biche. En général, on prend la biche. Vous avez vu notre accent anglais, c'est pour ça que ça s'appelle Wallstrong FR. Hein, parce que c'est et surtout qu'on dit Omniwalk et pas Omniwalk. Omniwalk. Pourquoi moi je suis habillé en rose? Oh la vache, j'ai complètement. Oh mais là je suis encore sur panel moi, c'est trop. Oh vas-y, j'ai fait un combo. Oh t'as perdu. Voilà, ça peut être facile de dire ça. Oh la vache. Ah mais attends, c'est quoi ce délire là? Alors vous avez une touche pour balancer toutes les touches en fait. En lob. Voilà. Alors moi je suis à droite et Nounou est à gauche. Ok, voilà. Un Nounou c'est le mec au turban genre le japonais du futur. Moi je m'amuse à éviter le frisbee. Ouais, c'est aussi une technique qui fonctionne plutôt correctement. Et moi je suis le gros bodybuilder là, qui rose. Ressemble un petit peu à Marvin mais pas en rose quoi. Peut-être que Marvin a une chemise rouge. Rose. J'ai l'impression que, je sais pas, les touches me reviennent un petit peu mal. Attends, ah si, je fais quelques slides. Alors vous avez moyen, voilà, de balancer le frisbee, de faire des effets, il y a des trucs de ouf qui se passent. Le frisbee va de plus en plus vite, c'est super dur de le rattraper. Et concrètement, il y a même... Je suis quand même nul. Hein. Même des super attaques. D'ailleurs, vous en avez aperçu quelques-unes tout à l'heure. Non, mais c'est quoi ce délire? Mais Nounou, arrête de faire n'importe quoi. Montre aux gens un petit peu de gameplay quand même. Les gens s'attendent à quelque chose de concret, du vrai Windjammer. Du grand art. Un Tetris après. Un Tetris. Non. Après, on va aller se coucher. Il est 1h du matin. Les gens doivent dormir mais aussi. Vous êtes pas fatigué. Moi, je dois m'entraîner. Demain, je me lève à 6h pour walker. Ah, c'est bien. Demain, je dois avancer à Lundra. Voilà, donc je le dis, vous le savez. Donc si demain, ça avance pas, c'est de sa faute. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, parce que nous avons un planning chargé chez Windjammer. Ah, super attaque. J'en étais sûr. Oh genre, vas-y, comment tu m'as... Pareil, ma super attaque, c'est dégueulasse. Mais comment tu fais pour faire vite quand je fais lentement tout le temps là? Bah, faut appuyer vite et faut faire un petit peu n'importe quoi. C'est comme Tekken quand t'appuies sur toutes les touches. Je t'ai def. Non, je rigole. J'aimerais bien faire un effet, quoi. Voilà, un truc un peu... Oh là là, ce truc en coin qui était absolument... J'ai le drapeau japonais, je te signale. Ok. Bon, moi, j'ai le drapeau coréen. Oh, il a fait un truc trop bizarre, le frisbee, t'as vu? C'était la physique... Oh, ouais, merde, il y a plus de temps. C'est la physique... Vous avez vu qu'il y a du fan service, quand même? Ah bon? Bah oui, là, l'arbitre est en maillot de bain, s'il vous plaît. Mais en même temps, on a les filles, dans... Les filles dans le public sont en maillot de bain. Elles ont des gros reploplos, d'ailleurs. Et les joueurs eux-mêmes sont bien musclés. Et je tiens à dire que je tiens à rappeler surtout que j'assume pas ce qu'elle dit. Voilà, j'assume absolument pas ce qu'elle dit. Non, mais moi j'assume très bien. Ouais, bah, assume toute seule parce que moi je peux pas entendre ce genre de choses. Oh, alors, ouais. Vous avez deux super attaques disponibles.
la super attaque simple. What? T'as vu ce qu'il a fait? Il a balancé le frisbee sur le public carrément. Ça se sent ouais, juste ça me saoule. Oh bah c'est très gentil mon petit Nunkia. Je sais pas qui c'est exactement parce que je ne connaissais pas ce pseudo. Mais ça me fait très plaisir. Voilà. C'est, effectivement Alundra c'est un très bon jeu. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire mais il est si très bon. Si vous voulez je refais Alundra. Quoi? Mais bah, en plus de mon de, vu que j'ai plus FF1, tu peux faire Alundra en même temps que toi. Genre tu m'aides à walker mon propre non, jeu. Non, je fais le mont Alundra quoi. D'accord. Versus du walk quoi. C'est... Versus du super. Non, j'ai perdu. Ah oui, c'est vrai, tu vois, même Bibitrans, il est il explique les règles parce que nous, on les explique même pas, tu vois. Ah oui, merci. C'est quand même une honte. Merci. Heureusement. Ah, CPU. Heureusement ah, qu'il oui. Ah oui, d'accord. Ok. On sait un petit Metal Slug. Genre vraiment, là, juste pour non, rester dans l'univers arcade. Ok, alors, Tetris, là. Petit Tetris. On vous a pas montré beaucoup de Windjammer, mais c'est quand même un excellent jeu. C'est surtout parce que je suis nul et que vous pouvez rien voir. Si vous voulez voir un peu plus de skill, vous pouvez aller voir notre omniplay sur Windjammer. Voilà. À l'époque, j'étais un peu plus à l'époque, skill. On avait déjà un petit peu plus de skill. On avait et dit un quoi peu plus mince aussi. On avait dit Tetris. On avait dit Tetris. On va lancer Tetris The Absolute. 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 Donc, je vais encore me prendre raclée. Absolute sur, sur MAME. Sur MAME. Excellent émulateur pour émuler de l'arcade. Hein. Parce qu'avant qu'on réussisse à tomber sur un Windjammer, concrètement, déjà, il faut aller à 150-300 km d'ici, de cette pauvre Bretagne paumée dans laquelle on vit. Okay. Et une plage à genre 2 km. Et voilà, on se tape des messages d'erreur en japonais. Incroyable. Ouais. Du coup, on fait un versus. On est d'accord. Oui. Un versus. Bah oui. Ce sera sûrement le dernier jeu du direct parce que je suis fatigué. Non, un petit Dr. Mario. J'ai besoin d'aller faire dodo après. Challenge. Mais fallait mettre yes. Bah j'ai fait yes. Ah oui, d'accord. Bon, je sélectionne le mode normal. Non, mais voilà, je sais même pas la différence. Je me fais engueuler après parce que je fais les choses bien, s'il vous plaît. Hein. Vous êtes témoin, hein, je suis maltraité. C'est vrai. Là, ma peau, j'ai pas été très gentil avec toi. Ah ouais. Je tiens à m'excuser. Sincèrement. Vous voyez le truc naturel de Goku. Quoi ? Oh non, attends, faut peut-être pas abuser quand même. Oh, oh. Non, j'avoue, il est adorable. Oh, c'est gentil quand même. Il me sert le petit-déj tous les matins. C'est pas vrai. Ça, c'est vrai depuis 3 ans. C'est vrai. C'est pas vrai ça. Si, c'est vrai. Là, j'ai une barre direct en même pas 15 secondes, je te mets un Tetris. Voilà, on sent déjà qu'il y a un tout petit peu plus de skill que sur panel de pont. Là, moi, mon objectif, ça va être d'aller. Faut savoir en fait, on a vu un championnat de Tetris. Non, on a vu un champion de Tetris. On a vu un champion de Tetris. Et du coup, depuis, Goto, ça lui donne envie, quoi. Il a trouvé sa vocation. Voilà, Tetris, encore double Tetris. Non, mais vas-y, là. Ah oui, sachez qu'il y a des blocs un petit peu spéciaux quand vous remplissez la barre à gauche, à la force de mettre des blocs. Vous remplissez la barre à gauche, quand elle est pleine, il y a un bloc spécial qui apparaît. C'est sélectionné. Et si vous explosez ce bloc, vous avez tout simplement Je peux même pas t'envoyer un Tetris. Quoi. Possibilité de... Je sais pas quoi faire. Enfin, en gros, c'est un petit peu comme Mario Kart. Vous explosez le bloc, ça va vous permettre de mettre une sorte de malus à votre adversaire. C'est absolument formidable. Je te mets un petit 3 lignes, voilà, pour le respect. Pour le respect, surtout pour le respect. Alors Nunkia nous dit, j'ai jamais commenté vos vidéos, j'en ai vu énormément, mais je n'ai pas jamais posté de commentaires. Et ben il faut pas s'excuser, mesdames et messieurs, c'est. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. On demande absolument rien. T'as pas besoin de commenter. C'est déjà très gentil de venir sur ce direct et de parler sur le chat. Donc moi je tiens à donner, de révéler ta vraie identité. C'est-à-dire Nunkia. Donc là, moi, j'ai un bloc un petit peu spécial, et là, je viens de faire du gruyère, donc c'est absolument formidable. Moi, j'ai plus gruyère que toi. Hein. Ah j'ai oui, t'as... Emmental, l'air de mer, mais... Ok. Oh, tu vas faire un malheur, nounou, je le sens, mon dieu. Ah ouais, j'étais obligé de la faire. Oh mon dieu, j'étais obligé de la faire. Oh, putain, j'avais vu ça, c'est du gruyère de qualité, là. Hein. Ah ouais. Oh mon dieu. Et voilà, j'ai win. Ouais, attends, il y a le rando. Hein. Rando. Il y a le rando. Vas-y, prends ton temps là. Vous pouvez constater à quel point Nono parle bien anglais. Je parle mieux anglais que toi. Okay. Ah putain, rando. Je vais faire un complexe d'infériorité maintenant. Ah, j'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est génial. J'adore. C'est bien, c'est qu'il n'y a même pas besoin de t'engager de comique pour Goto, parce qu'il rigole pour rien. Non, c'est pas vrai, c'est drôle. Est-ce que vous avez rigolé? Perso. Ah non, demande pas personne, ça. Personne, moi, j'ai pas rigolé. Je vais me sentir trop seul si je suis tout seul. Tu vas te sentir seul si t'es tout seul. Ah, ça, c'est sûr. Arrête, je pleure, là. Et voilà, le petit Tetris qui passe.
Bon, c'était un petit peu plus long que la première fois. Ouais, là. Oh putain, j'en peux plus. En vrai, c'est des vrais. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. On va faire un direct tous les soirs pendant deux mois. Non, arrête. Si. Commence pas à proposer ce genre de choses, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien une barre là, ça vous tapez une barre. Non. Putain, oh putain, mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce genre de blague? Parce que j'aime les blagues. Ok. C'est... Ouais, voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'ai rien d'autre à ajouter là. Mais putain, je veux une barre, c'est pas compliqué. Non, mais je loose sur une barre, quoi. Non, mais... Oh, ça rage. Oh là, ça rage violent là, ça rage vraiment, vraiment violent. Oh là là, il y a une track qui vient d'arriver. On est carré le track. On se fait une deuxième manche? Bah, c'est déjà parti. Ok, c'est déjà parti. Je fais ma deuxième manche. Moi, j'ai un win déjà. J'ai déjà un win. J'ai déjà un méchant win. Un méchant win d'avance sur toi, Val. Un méchant win. Moi, j'ai un méchant loose sur toi. Hein. D'avance aussi. Je tiens à dire que... Je sais pas pourquoi ça m'a refroidi cette victoire là un petit peu. Ouais, t'avais pas envie de gagner. Je préférais un petit peu quand tu me défonçais sur panel de pont, je me sentais un petit peu mieux. Les mecs. Alors moi ce que j'adore dans Tetris, c'est qu'à chaque fois on vous file une barre au mauvais moment. Au mauvais moment. C'est tout le temps. Je t'envoie un petit Tetris, ça fait du bien. Oh bah voilà. Il y avait un petit temps de chauffe. Il y avait le petit temps de chauffe, effectivement, que j'oublie. Ouais, ce qui lui permet de mettre un Tetris exactement. Je mets à chaque fois ce petit temps de chauffe. Je te mets 6 lignes en pas trop longtemps. Regardez. Voilà. Oh là, le gruyère que je viens de te mettre. Oh, c'est dommage. Oh là là. Là, c'est du roquefort. C'est du... Alors, il faut savoir que le... Le roquefort, c'est pas un gruyère. D'accord. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Commence pas à faire ton expert du fromage. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis plus expert de toi en fromage, je crois. En parlant d'anecdotes d'ailleurs, le fromage préféré de Nounou, c'est le bleu. En ce moment, elle adore le bleu. Si vous voulez nous envoyer des folies. Voilà, non, mais je te défonce en parlant du bleu en plus. Non, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est le camembert et le chèvre. Non, ah non, bah non, ah, non tu ah, peux c'est... pas dire ça, tu peux pas dire ça. C'est ah pas, non, je peux pas dévoiler pas... ça. Regardez, c'est je fais bien. Du rire dès le départ. Mais c'est une tactique. De toute façon, tu parles de fromage, c'est juste pour me déconcentrer. Oui, parce que ça te déconcentre direct, quoi. Ça te donne envie, et donc du coup, voilà. Il faut savoir qu'il me laisse tout le temps chef parce qu'il a peur que. Je sais pas. En fait, j'ai peur des représailles parce que. Vous dévoile notre vie. Vous voyez qu'en ce moment, j'ai pris du chèvre justement et vous voyez ce genre de choses. Le direct là, tout ça, c'est de sa faute. C'est de la faute du chèvre. J'en étais sûr que je devais pas faire ça. Parce qu'après, il y a des représailles. Ouais, j'ai jamais dit, on fait un direct parce que t'as pris mon chèvre. Si. Moi, je suis sûr que tout est lié. Oh putain, j'ai un truc X-ray, tu vas prendre cher. Ah, j'avais envie de monter tu mon stage cher. Là. Là, regardez l'écran de nous. J'avais envie de monter mon stage. Bon courage. Je connais par cœur. Ouais. Oh genre. T'as fait un Tetris là? Non. Non, oh non, t'as fait un 2-ligne. T'as fait un 2-ligne. Faut pas que je m'enflamme, t'as fait un 2-ligne. Alors, quelques petites techniques. Alors, Bibi nous dit que c'est lui l'expert en fromage. Ouais, le savoyard là, ça y est. Est-ce qu'on valide? Non. De toute façon, il y aura un versus de fromage, c'est clair. On est obligé de faire. Ramène tes fesses et on fait un direct sur fromage. Si tu veux, y a pas de problème. Surtout avec ton reblochon et tes. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as inversé mon stage. Ah bah j'ai aussi fait un Tetris. C'est nul comme malus. Oh, je viens de faire un super gruyère. Ah ouais, effectivement. Oh là, oui, effectivement, ça commence à être un petit peu le bordel sur ton stage. Ah ouais, voilà. Pas en du tien. Va falloir régler un petit peu tout ça, hein. Ouais, bah laisse-moi le temps. Hein. Oh là là, regarde, je te mets encore un petit 2 lignes supplémentaires là. Ah, bon courage pour t'en sortir, hein, parce que là, moi, j'enchaîne plutôt correctement. Ah oui, alors, Nounou ne survit pas assez longtemps, parce que, bah, voilà, t'as un petit peu des lacunes, hein, il faut le dire. C'est, ouais, voilà. C'est... Et en fait, plus vous attendez longtemps, plus ça va vite. C'est comme panel de pont. Ouais. On va faire un Dr Mario. Oh d'accord. Ok. Bah, donc Dr Mario. Ah ouais. Dernier jeu du direct, on est d'accord, Dr Mario. C'est mis d'accord. C'est pas un direct interactif, donc on peut pas. Les gens. Non mais en fait, c'est interactif, mais on est en décalé, donc on va dessiner à votre place. Attends, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai pas fait de grosses bêtises, c'est bon, tout va bien. Pas de stress. On va faire un petit cross aussi. Oh là là. Non, mais vous voyez que Nounou est parti. À la base, le direct était censé durer une demi-heure, on est déjà. C'est toi qui as voulu faire un autre jeu. Non, c'est pas vrai. À la base, c'est toi qui as dit est-ce que vous voulez voir un autre jeu ? Tout ça, et ensuite, il y a eu. Tout ça, c'est de la faute. Synergie. Non. Ah oui. Voilà. Oui, mais tout ça, c'est de la faute à Bibitron, c'est lui qui a proposé Windjammer. Il aurait pas dû proposer Windjammer, tout simplement. Voilà.
Donc il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Non, et on mais peut Bibi lui en... Trans, oui, je perds à Tetris. Oui. C'est on avait dit quoi, Docteur Mario, Docteur Mario. Attendez. Les oreilles des gens. Je n'assume pas du tout la danse de côté. Ok, ok, non, non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'assumer. Alors, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour moi. Alors, je remercie les 8 personnes qui sont en train de nous regarder actuellement. Ouais, parce que franchement... Plus ça va, plus il y a du monde, en fait. Franchement, on a fait un direct quasiment spécial puzzle game, et ça marche quand même, quoi. Comme quoi, le puzzle game a sa place sur OmniWalk, il faut le dire. Ok. Moi je retourne aux toilettes. Je vais select. Ouais, voilà. Voilà. Alors, je vais continuer les touches sur le parce que je sais le faire. Alors, input pour un pad. Okay. Tac. Pourquoi ça fait tout seul? Start. Il faut cliquer à chaque fois. Vas-y, clique, s'il te plaît. Quoi? Clique. Oups. Merde. Ah, vous avez vu les stressés, il va aux toilettes, et en plus à chaque fois... Attends, vas-y, réessaye de te... De... Ah ouais, bah non, ça marche plus. Oh là là, quel dommage. On est obligé de tout recommencer. Et moi, je fais perdre du temps à tout le monde. Pardon. Concentrons-nous. On va configurer les touches tout de suite. À 3h du matin, je refais un direct seul, ok? C'est parfait. Et est-ce que mes touches sont configurées? Oui. Parfait. Alors, ah oui, pardon. Excusez-moi. Et le son aussi. Ah mais attends, parce que là, c'est... Bon, écoutez, là, il est 1h, donc concrètement, j'en sors plus. Heureusement que ce matin, je me suis pas levé à 6h, parce que... Ouais, c'est validé, ça. Ça aurait été le gros bordel. Concrètement, ça aurait... Ouais, un peu de sérieux, vas-y. Genre, dans ta montagne, il y a des chiens. Tu peux mettre la page, je vais venir, s'il te plaît. Ah oui. Mais en fait... Ah oui, non, on peut pas mettre en plein écran, du coup. Ça va faire bugger. Ah non. Oh, c'est beau, c'est beau la technologie, c'est beau la technologie. On y va? Alors, on fait tous les deux assis, on reste sur... Ok, je vais mettre un petit malus, je vais mettre un malus, si tu veux. Tu descends. Ah, là, ça. Je peux pas descendre. Tu fais start, je sais pas. Ok. Vous voyez que Nounou a quand même... Oh putain. Oh, ça commence... Ça va vite, hein. Oh la vache, ça va super vite. Je verrai quoi. Allez, même le jeu. Non, commence pas à balancer des extraits. Non, mais c'est vrai. Je peux pas jouer, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je fais ça, ça fait droit. Attends, je vais faire. Alors, il faut savoir que Nounou a du mal un petit peu avec sa gauche et sa droite. Du coup, bah, ça pose quelques problèmes après. Ah merde, je me suis trompé. Mets-toi sur right. Je peux pas, ça configure au fur et à mesure. Bah tu fais cette haut là encore. Vas-y, fais bas. Mais non, mais fais right. Je me suis trompée. Fais cette haul. Ouais, je t'apprends à contrôler un émulateur, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais haut. Enfin, gauche. Haut. Non, j'ai pas droite. Fait haut. J'ai pas fait haut. Fais droite là. Mais j'ai pas fait haut. Fais droite, je te dis. Mais pourquoi? Mais j'ai fait gauche. Là, fais haut. Putain, non, je vais pas comprendre. Mais vas-y, mais voilà. Hop. Right. Je me concentre. Hein. Oh putain, la vache! C'est l'ex-start là. Vas-y, fais start. Mais je peux pas, ça fait pas. Ah, voilà, ça fait, tu vois, ça fait. Oh la Ah, ça fait dire putain. On a blâmé le temps juste pour confirmer. On a blâmé le temps. On a blâmé le temps. Mais d'où tu m'envoies des trucs dès le début? Comment ça se fait que tu fais des combos genre? Y'a pas de combos sur Twitter. Alors, est-ce que les gens du chat sont bons à Docteur Mario? C'est la question que je me pose. Combien d'années ça fait que vous avez pas joué à... Arrête le pauvre. Non mais là, je suis 40 ans. Oh putain, Mais ça va super vite.
Cet émulateur est accéléré. Un tuto en live. Ah, le petit Sparda est de retour. Le mec, il est là à 1h10, quoi. Mais what the fuck. Tu peux reset, là, c'est pas Je reset. Vous constatez qu'elle veut un reset. Oui. Je sais plus comment. Oui, pauvre reset. Ah, moi, émulateur NES, effectivement, ça fait un petit moment depuis que j'avais eu. Alors, voilà. Mais moi, je vous voyais en pas. Ouais, oh là, je sentais la critique venir. Vas-y, fais un petit tour en live, tu peux te chier. Oui, non, mais vous savez à peu près comment on joue à Dr Mario, c'est quand même un classique, quoi, je veux dire, je vais pas vous. Bah, si, hein, mais... Oh là là, je viens de me. Il y a des jeunes qui connaissent pas forcément. Effectivement, effectivement. Alors, Dr Mario, c'est un jeu développé par Nintendo en 1980. Non, non. Donc, plus sérieusement, vous voyez bien que c'est un puzzle game. Oh, qui est tout simple. Vous avez des capsules, vous avez des virus. Non, en fait, c'est pas des capsules, c'est des mini-capsules. C'est des gélules. Des gélules, voilà. Ce sera le mot pour présenter ce genre de jeu. Et. Oh là 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 là. Et regardez, j'ai fait un octopus. Mais le salaud, il a encore plein de croissants et plein de pain au chocolat. Et voilà, j'ai faim. Je veux un petit pain au chocolat. Je vais en arriver. Et donc, bah, tout simplement, il faut assembler vos gélules avec les bonbons de la couleur correspondante. Si ce serait aussi simple en vrai, on le serait. Et donc, il faut faire des lignes de 4, cette fois-ci, pour pouvoir exploser un bloc ou n'importe quoi. Et quand vous arrivez à faire des combos, qu'est-ce qui se passe? Ça s'envoie sur le stage de l'eau. Voilà. Aussi basique soit-il, c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace contre les virus. Surtout quand même, on joue à plusieurs de games, en fait, tous les principes sont quasiment les mêmes. C'est tout le temps comme ça. C'est pas vrai. Alors là, c'est la concentration de l'équipe. C'est vrai que toi... Oh Bonne soirée, Nunkia, à la prochaine. Et merci encore une fois d'être. Voilà, merci encore une fois d'être venu sur notre direct et d'avoir passé un moment avec nous, ça fait super plaisir. Ouais. Alors on peut faire des lignes horizontales aussi, ça c'est vrai, on l'a pas présenté. Ah, et verticale. Et oblique. On peut faire de l'oblique. Ce serait tellement beau de l'oblique sur Dr. Mario. Moi je te propose, avant de clôturer ce direct, de faire oh là là. Un petit trauma center. Alors c'est toi qui demande. Après tu dis, oh ouais, mais t'as vu, mais non, mais... ça, puis après on a fait ça. C'est une blague. Oh ouais, c'est ça, c'est une blague, franchement. C'est très drôle. Trauma center. Voilà, trauma center. Bah oui, c'est trauma center. C'est un trauma center. Est-ce que vous connaissez trauma center? Mais oui, tout le monde connaît trauma center. Je vois pourquoi je vous demande, effectivement, puisque vous pouvez... Mais regardez mon stage, quoi. Alors, c'est vrai que là, quand on bloque, c'est déjà beaucoup plus dur. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup moins de skill sur Dr Mario que sur le reste des jeux. Comment ça, c'est assez ennuyeux. Oh, merde. En tout cas, il y a une autre chose qui ne change pas, c'est le terrain. Oh, merde. Oh, putain, fais chier. C'est ce qu'il est dans ta peine. On fait qu'une seule partie, hein. Je le dis. Non, moi j'ai vraiment du mal avec Dr Mario, c'est vraiment... Ouais, j'aime pas, je gagne du temps et tout. Vraiment, je préfère quand tu dis sur ta mère. Mais non, mais il y a quelque chose que je sais pas. Tu as gagné en plus, tu vois, donc... Il y a un charme qui est pas là, voilà, quoi. C'est pas charmant, quoi. Un petit peu de God of War, je demande que du God of War, quoi, juste un tout petit peu de God of War. Moi je dormais à côté et puis je vais dire Non non mais enfin c'est voilà, mon petit Kratos commence à me manquer, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, en plus les gens hallucinent sur le chat que c'est pour moi qui gagne sur un podium game. C'est vrai que c'est assez. Ah oui, oui, là c'est... je. C'est assez peu probable. A la base, je suis noob, hein. Un petit peu facile. Bah non, c'est trop. Ah oui. Voilà. Ça fait que je suis noob.
fait un beau combo, tu vas te faire un truc bien chiant quoi. Vraiment, oh ouais, là c'est chiant. Ah, le truc chiant quoi. Ah ouais. Ah, le truc vraiment, vraiment chiant. Oh, oh la vache, vous avez vu ça, c'est incroyable. J'ai pas touché ma manette et j'en sors pas tout seul. Non mais c'est un truc de ouf. Mais vas-y, marque-toi toi. J'adore quand je te flamme, donc ça c'est vraiment beau. Je sais pas comment les gens. Comment les gens oh, réagissent merde. Sur merde. Oh merde. Oh non, mais je suis trop dégoûté là. Et c'est tout le temps comme ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 bah oui, oui, c'est vrai. Fais ton canard nerveux. Mon canard nerveux. Ton canard nerveux. Ouais, bon, là, j'avoue, c'était pas mal. J'avoue, c'était pas mal. Ça aurait pu être pire que ça. Après, on parle, il est tard, voilà. On sait que c'est pas facile. Pas sûr. C'est trop. C'était un point 15 hein. Bon, voilà. C'était mort, mais voilà. J'ai fait du bruit. Non, ouais, on arrête. Ça, sincèrement, ah, il. Les gens voient pas le jeu. Ah non. Bah, si, je viens de détendre, c'est pour okay, ça. Ok, ok. Voilà, j'ai gagné cette seule partie de Docteur Mario. Eh oui. Sachant que c'est une demande de walk qu'on m'a fait. Et que t'es pas prête pour voir le walk. Il faut vraiment que je m'entraîne. Hein. Il faut vraiment que je m'entraîne. Bon, bah voilà, mesdames et messieurs. Un retour de direct après vraiment beaucoup beaucoup de temps d'absence. Ouais. Je sais pas exactement, enfin on sait pas quand est-ce qu'on en fera un autre. On aimerait beaucoup beaucoup en faire un avec Marvin. Pour cela, il faut qu'on arrive à se réunir tous les trois, ce qui n'est pas toujours très simple. Mais en tout cas, si ce serait possible, ce serait vraiment si génial. Mais en attendant, si on peut faire des directs voilà. Comme ça, ou et dès que proposez-vous nous vos jeux aussi. Et peut-être que si on a un peu de temps, on les fera. On préviendra vraiment au dernier moment, par contre, parce que c'est dur de prévoir à l'avance. Bah là, c'était une envie comme ça, quoi. C'est une envie qui t'a pris comme ça. Et, Ouais, et le temps que je le force, ça a pris une heure. Donc, voilà, donc on a perdu beaucoup de temps. En plus de ça, alors, ah oui, petite anecdote. Pour se connecter sur Twitch, nous avons un mot de passe. Et genre, on a un mail aussi. Et on a aussi un autre mail. Et en fait, le problème, c'est que Goto ne communique pas. Voilà, c'est son gros problème. Sauf que le problème, c'est qu'il a bloqué le compte avant le direct. Genre, j'avais déjà prévenu tout le monde. J'avais mis un message. Et là, il me fait, ah bah c'est mort, hein. On va pas pouvoir faire de direct. Hein, parce que j'ai bloqué le compte. Et là, je lui dis, mais tu pouvais pas me demander? Bah non, moi je pensais que tu savais pas. Genre, moi je savais pas. Genre, voilà. Tu te rends compte à quel point tu parles... presque toute seule. Presque toute seule, moi je... Je tiens à le dire, tu passes presque tout seul. Et si ça se et trouve, donc après, si ça en 15 trouve, minutes, c'était réglé. Si et genre, il avait pas le sourire, et puis d'un seul coup, quand c'était réglé, il avait le sourire. Si ça se trouve, les gens s'en foutent. Voilà, mais si ça se trouve, les gens s'en foutent. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir, jusqu'à 1h19 du matin. Vous avez quand même vu que chez nous, c'est un peu le bazar. Hein, que on vous avez fout, vu on les cartons derrière. On s'en fout. Et bref, voilà, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, sincèrement. Moi je me suis bien marré, j'ai passé une bonne soirée, alors que c'est vrai que je ne m'y attendais pas spécialement. J'en étais sûr, en plus je lui ai dit avant, mais tu vas voir, après tu vas être content et tout. Enfin voilà quoi. Donc il faut savoir que le direct sera rediffusé sur la chaîne, donc si vous l'avez loupé, ou si vous avez envie de le re-regarder pour voir mon x15. Ou mon t'as fait un x15 Non, j'ai fait 1x11, 2x10, 1x9. Je crois que j'ai fait un 3ème x10 quand même. Et sinon, j'ai fait des fois 4, fois 6, fois 7. Ok. Ouais. La prochaine fois, effectivement, on fera apparaître le chat parce qu'on ne l'a pas fait cette fois-ci. C'est un petit peu dommage, ah oui, je trouve. Oui, c'est vrai. On a... Et vu moi, que ça fait manque, longtemps, on a un peu oublié. Voilà, ça, c'est vrai que ça fait longtemps. Et du coup, bah voilà. Non, on vous fera quand même un copier-coller du chat dans la description. Un copier-coller du chat? Bah oui. Non, mais vous l'écoutez. Mais pourquoi vous pas écoutez ces conneries? Je peux pas, je vous jure, je le c'est fais. C'est pas possible, c'est pas possible. Je fais un copier et je colle. Mais il y a dans la description, dans les descriptions YouTube, il y a une limite. Bah, je vais mettre le mieux que je peux. Il y a une limite. Si ça se trouve, tu vas couper au milieu de la phrase du pauvre Sparda et Bibi Trans qui a dit. Et Bibi Trans qui a dit. Je vais faire mon mieux. Et Bibi Trans qui dit j'ai envoyé 2000 € de dons tellement je me suis amusé. Bon, on le verra pas, tu vois. On saura même pas que le mec a envoyé 2000 €. Ah oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dons. On les montrera. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dons dans les directs. Il y a beaucoup de dons en ce moment. On voit les dons dans les directs et nous, on fait pas de dons dans les directs. Ah oui. De toute façon, il n'y a pas besoin. Vos commentaires suffisent, c'est déjà... Laisse, on voit encore plus ce bordel que derrière. D'accord, je vais éviter de laisser. Hop, non, je rigole. Furtif.
Bon, bref, on vous laisse parce que sinon on va rester jusqu'à je ne sais pas combien d'heures du matin. C'était génial. Parce que là, on est parti. Hein. Merci à toutes et à tous. On espère que vous vous éclatez sur OmniWalk, que même si on ne fait pas des directs tout le temps, etc., vous même vous si arrivez on fait à... du puzzle game malgré Goto. Voilà. Voilà, que vous arrivez à trouver votre compte. Si vous voulez poster une demande de walk, n'importe demande quoi, de direct, une demande de direct, voilà. Idées, n'hésitez quoi, surtout pas. Là, dans... Si vous voulez venir faire un panel de points avec moi aussi, sauvez-moi de ça. Merci. Si dans 15 jours, c'est l'anniversaire d'OmniWalk, on ne sait toujours pas si on va faire quelque chose ou pas. On aimerait beaucoup, mais, voilà. Mais comme c'est vous pareil. Le savez, enfin certains le savent, on a un enfant et c'est très dur de le faire garder en ce moment puisqu'il y a le bac, etc. Et en plus, voilà, il faut que Marvin soit disponible donc, aussi. Donc voilà, c'est ça. Et que Marvin soit disponible, et, sachant qu'il a des examens en ce moment aussi. Donc voilà. Donc, mais au pire des cas, on sera ensemble et on essaiera de faire un petit... Mais voilà. Donc voilà, si vous avez des idées aussi pour l'anniversaire de Miwalk, ce que vous voulez, etc. Nous, on a aussi des petites idées et donc, qui pourraient être vraiment sympas. Une dernière chose vraiment avant de vous laisser, dites-moi, parce que je l'ai posté dans le mensuel, mais je pense que je le reposterai sur Facebook parce que j'ai besoin de l'avis de beaucoup de monde. God of War. Mais est-ce que vous souhaitez que FF9 Excalibur 2 soit fait en direct comme ceci? Donc c'est-à-dire avec la même qualité visuelle et la même qualité audio. Ou est-ce que vous préférez tout simplement des vidéos comme ça? Moi je pense que les deux c'est bien. Etc, etc, quoi, voilà, il n'y a rien qui change, mais... Donc voilà, n'hésitez pas à me donner du retour. N'hésitez pas à me faire vos demandes de walk, parce que n'oubliez pas qu'en ce moment, je n'ai aucun walk, et que j'arrive pas à me décider. Ça fait à peu près une semaine que je dis à Goto, je sais pas quoi prendre. Peut-être que je ferai une petite pioche, je sais pas. Ok. Voilà. Merci. Donc Sparda, je crois qu'il dit qu'il veut un direct. Ok, alors par contre, ce sera des directs qui seront rediffusés, donc ne vous en faites pas si vous les loupez, et... Enfin, si c'est des directs... Et ce sera sûrement très tôt, malheureusement. Non, mais Sparda, c'est même pas en rêve. T'as cru que j'allais faire un walk sur Dark Souls. Oh putain, et franchement... Alors déjà, il faudrait que je fasse un omni-noob parce que ce serait assez drôle. Nounou, il va falloir qu'on fasse un omni-noob sur Dark Souls. Il y a trop de gens qui demandent. Il y a trop de gens qui le demandent, là, ça... Demain, on essaye de faire un omni-noob. Mais la Xbox est en carton. Ouais, la Xbox est en carton. Et il faut retrouver le carton. Une Xbox en carton, voilà, c'est... C'est la fin de ce direct. Voilà. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, encore une fois. À Sparda, à Piocapulu, à Bibi Trans. Vous êtes géniaux. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Facebook. Le direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à ceux qui nous ont justement donné leur tour. Ceux qui viennent d'arriver comme Sparda, ne t'inquiète pas. Enfin, vous inquiétez pas. Le direct arrive très rapidement sur le Facebook, sur le YouTube. Donc voilà, YouTube, là on le poste directement, donc vous pouvez le voir demain. Rapidement. Demain matin, à 6h, quand je serai en train de walker. Ou même avant, peut-être même. Hein. Ok, bon allez, on y va. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Et bonne nuit. À la prochaine. Bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez le direct. Un walk sur FF15, ah les salauds. Ah bah si tu nous offres la capture de FF15, il n'y a pas de problème. La capture de FF15. Bah pour pouvoir capturer quoi, voilà quoi. Le HDPVR 2. Ah voilà, plus de précision, ça devient tout de suite plus clair. Sachant que je déteste les walk HDPVR, donc... Tu sais pas, t'en as jamais fait. Non mais vu... Voilà, c'est ça. T'as tout le temps des black screens, t'as tout le temps des trucs... Bon allez, bref, laisse les gens tranquilles. Bonne soirée, allez, salut, à la prochaine. Salut.